Salut à tous, c'est Hubert, vous êtes bien dans Yatta, l'émission dédiée au manga et à la Japanimation tous les mercredis 19h à 20h sur les... à 21h même sur les ondes de Move et en simultané sur le Twitch de Move, une émission qui sera un peu plus courte que la semaine dernière. Aujourd'hui, on respecte les horaires, vous l'avez entendu, son petit rire so-so est là aujourd'hui, comment tu vas? Bonsoir. Ah, apparemment tu viens du Nord, je ne sais pas. Oui, bon, je viens un peu de partout, moi, ouais. Tu sais. J'avais failli dire titre, mais non. Non, il est trop deep celui-là. On vient juste de commencer là, titre par contre. Et voilà, ça commence très bien. Bah écoutez, ravi d'être là. Oui. Après cette longue émission de la semaine dernière, on s'est sur un format plus court, mais ça va être cool cette oui. semaine. Et un Himitsu, toujours good vibes. C'est vrai. Ouais, ça va être top. Y a pas de trucs sombres cette semaine. Oh, jamais. Ah bah non, c'est pas du tout le thème de la chronique. Jamais, jamais. Ça marche, il est à côté tout en peau de pêche. Un velours. Un velours. Comment ça va, Diff? Totalement max de moi-même, tranquille. Ouais. Aujourd'hui, margarine, quoi. Oui. Ouais. Ah, ils ont pas la ref, vaut non, mieux pas. Alors, normalement, on fait pas de private joke à l'antenne, mais celle-ci non, est un peu trop. On la place pas, ouais. Ouais, on peut pardon, pas la dire. Je la garde. Mais on en parlera plus, en tout cas, pendant l'émission. Je la placerai dans une punchline. Dans une punchline de rap, ça c'est possible. Ouais, sinon, oui, un poney glyph aujourd'hui très chamallow. Romantique, un peu. Qu'est-ce qui t'arrive? Érotique. Ah oui, ah bah du coup. D'accord. On revient à la margarine, mais bon. C'est des héroïques, tu vois, y'a rien. C'est d'accord. Roule. Ça roule, ouais. Ça marche. Juste un truc, tu me disais hors antenne, tu nous demandais si on était tous à jour sur One Piece. Il n'y a pas de spoil, One Piece. Là. Non, là, je spoilerai, mais j'avais besoin de partager avec quelqu'un et personne. Ouais, on n'est pas à jour. C'est voilà, c'est évidemment, ça. Il parle des chapitres, il parle pas de l'animé. Évidemment. Il est là, tout en t-shirt. Valentin Paco est avec nous. Important de rappeler quand même. On rappelle que tu l'aimes pas du tout. Ouais. Le patron, aujourd'hui, on va faire un petit nani qui va mettre à l'honneur les femmes chevaliers, donc celles qui font semblant d'être des garçons pour avoir le droit d'être un chevalier et expliquer que la théorie du genre, on s'en fout. Tu veux dire c'est juste presque comme Marine dans Saint Seiya. Genre Mulan. Tu veux genre Lady Oscar, bien évidemment. Ouais. Et Lady Oscar est dedans. Voilà. Hop, ouais, mais Mulan quand même. Lady. Est-ce qu'on est manga, nous? Ouais, c'est pas un manga, ça marche pas. Ça marche, donc on verra le nani tout à l'heure. Et il est là avec nous, Mehdi Hamzaoui, qui est le président et cofondateur du magazine Konkuru. Je le dis en japonais. Comment tu vas? Ça va super, et toi? Bah, très bien, je rappelle que c'est un magazine de prépublication de manga francophone. Exactement. Et c'est pas dispo qu'en France, c'est dispo dans tous les pays francophones. Alors, c'est presque dispo en France et dans quelques pays francophones, ouais. Pour non. le moment. Non, genre le Bénin. Pas encore le Bénin. Tu sens le silence, alors, il est lourd ou pas? Sache que pour que ce soit au Bénin, il faut que tu ailles en costard. Oui, ça, ouais. C'est, ouais. Ça c'est la ref. Ça quoi. C'est la ref du costard. Ouais. De toute façon, on va en parler évidemment avec toi. En deuxième partie d'émission, on parlera des mangas qui, selon nous, ne sont pas assez mis en valeur. Donc on parlera de nos choix et évidemment... Il y aura notre cher Ringo au Japon qui nous parlera un truc que tu vas beaucoup aimer parce que c'est aussi un jeu vidéo en plus d'être en format manga. Ouais, c'est incroyable. De toute façon, tout ce que dit Ringo est incroyable. Mais c'est totalement vrai, évidemment. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur la radio et qui nous regardent sur Twitch. Oui. Et bonjour à tout le monde en régie. Si tout le monde est prêt, et ben Yatta, c'est parti. Yatta. Yatta. Oh, il est bien celui-là. Ouais, j'aimerais qu'on l'isole. Basile, si tu veux l'isoler, ce petit Yatta, et le mettre de côté, vas-y. Je le vois, il bouge, le fait vraiment. De... Basile. Mehdi, du coup, le hype ou pas hype, c'est quelques news qui sont tombées pendant la semaine, donc entre mercredi et mercredi. Et puis on en parle ensemble, voir si ça nous hype ou si ça nous hype pas. Okay. Donc la série City Hunter Live Action arrive le 25 avril sur Netflix. La bande-annonce est sortie la semaine dernière, on y voit donc Ryo Saiba en plein Shinjuku, on le voit accepter une mission parce qu'il passe devant le tableau où il y a écrit XYZ, on voit Kaori, on voit plein de choses, il y a un extrait de Get Wild, donc l'OST fabuleuse de TM, je n'ai plus le nom, mais en tout cas c'est fabuleux. Est-ce que ça vous hype ou ça vous hype pas? Est-ce que vous avez envie de voir ce live action? Mon cher Mehdi, est-ce que ça te hype, ce live action City Hunter? Alors ouais, j'ai regardé le trailer et franchement, ça me hype. Je trouve qu'il y a une good vibe. Ouais. J'aime beaucoup l'acteur principal. Généralement, dans les live action, pour moi, c'est déjà le premier, ah bah oui. premier red flag si l'acteur principal est un peu flingué. Bon. C'est vrai. Et là, franchement, je trouvais qu'il avait du charisme. Je trouvais que le trailer avait good vibes. Donc ouais. Moi, je dirais hype. Est-ce que tu as trouvé qu'il avait du charisme à la fin du trailer quand il chante en slip? Aussi. Ouais, bah c'est bon.
C'est bon, ça veut dire que c'est de la super hype. Soso. Oui, le slip. moi, quand même, assez hype. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il en ressort un côté un peu vintage, même dans l'acteur. Ouais. Après, je suis très, très, comment dire, très exigeante sur Ryo Saeba. Donc, forcément, bon, on n'arrivera jamais à son level. Mais ça va. Donc, j'attends de voir. Après, on en parlait avec Shahid. Et en fait, lui, il est extrêmement donc fan. Donc, Shahid, qui est co-producteur de l'émission aussi. Ouais. Et grand fan de City Hunter. Et en fait, il disait que ce qui lui le hypait le plus, c'est que ça a été tourné à Shinjuku. Alors que normalement, ils n'avaient pas le droit. Il y avait vraiment un truc en mode ce ne sera jamais tourné à Shinjuku. Et là, du coup, on est vraiment dans les décors. On rappelle que c'est le coin où opère. À Kabukicho, même. Bah, exactement. C'est le coin petit show, Ryo Saeba. Exactement, la sortie de la gare Est de Shinjuku. Oh, tu devrais nous faire un guide du routard de Shinjuku. Moi j'adore ce quartier, genre littéralement j'adore ça. J'aime bien les bars aussi. Golden Guy, meilleur endroit. Oui. C'est exceptionnel, j'ai passé 5 heures. Avec modération. Oui. C'est tout petit. C'est trop bien. Titre, exactement. Mais en tout cas, hype, moi j'ai hâte de voir ça. Et justement, la fin en slip. me rappelle, je sens qu'ils ont adapté ça. Ils l'ont pas fait façon sombre, au moins c'est Ryo Saeba. Il y a des planches qui rappellent le manga. Oui. Donc ça a l'air cool. Vous l'avez entendu, Valentin, du coup. Bah, moi je suis hype. De toute façon, il y a un truc qui m'a appris à arrêter de juger juste sur une bande-annonce ou avant. c'est le film de Lachaud. Très bon film de Lachaud, on peut le dire. Très très bon film. Tout le monde lui était tombé dessus. Tout le monde était soit sceptique, soit même vraiment contre. C'est une vraie réussite. C'est un Nicky Larson plus qu'un City Hunter, mais en même temps, c'est ce que nous on a connu. Je te coupe juste avant que tu continues et pour dire à quel point tout le monde a retourné sa veste quand il y a eu l'avant-première de Private Eyes. Il est monté sur scène et tout le monde l'a applaudi. Non mais enfin. Mais vas-y, continue. Complètement, et j'aurais aimé qu'il se fasse pas griller la priorité pour Cat Size, parce que voilà, on restera sur cette petite déception. Mais donc là, sur cette version diffusée sur Netflix, tout me semble propre, très bien. Juste, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu trop de censure dans la traduction quand un Mokori devient une banane ou ce genre de choses? Alors qu'est-ce que le Mokori, pour ceux qui ne parlent pas japonais? Alors, le Mokori, c'est l'expression qu'a Nicky Larson, City Hunter, Ryo Saeba, quand il a une érection, quand il voit une jolie fille. C'est son mojo. C'est un personnage qui est très très vieux jeu, un fan de la gaudriole, ce qu'on retrouve dans les romans de San Antonio, ce qui était vraiment un personnage de son époque. Voilà, donc j'attends de voir les textes si on rentre bien dedans. Peut-être que je le regarderai en VO sous-titré dans une autre langue. Ouais. Peut-être qu'en anglais, on n'aura pas le même lissage. Mais après, ça se trouve, ça va marcher super bien. Donc j'attends de voir, mais je suis plutôt hype. Pour l'instant, ils sont sur une bonne, un bon enchaînement de live action Netflix. Donc on verra bien. Mon cher Diff. Moi, je suis mi-fig, mi-choco. Normalement, c'est mi-fig, mi-raisin, mais je te le passe. Oh. Ouais, en vrai, full up de live action, je sais pas si c'est une bonne chose. Un live action de plus, on dirait que tous les mois, il y en a un. C'est un peu ça, hein. Ouais. Oui, il y a Parasite qui arrive aussi. Oui, ouais, exactement. Et puis, alors que c'est des vibrations qu'on a en anime, qu'on kiffe et qui laissent une certaine limite, comme tu as dit tout à l'heure, des bails de erection. Tu vois, bon, c'est vrai, mais... que tu dis avec un accent anglais que ça passe. Ça reste le même mot. Ouais, ok, voilà. Tu vois, à la lecture ou à l'animé, il y a une certaine limite. Et quand c'est en live action, c'est différent. On, tu vois. On verra. On rappelle quand même que dans le manga, il y a des codes à l'animé qui sont difficiles à retransmettre. Après, voir, c'est qui la cible. Tu vois, est-ce que c'est live action? Je sais pas. Est-ce que c'est pas plutôt pour ramener un nouveau lectorat sur le manga? Parce que One Piece, le live action, est pas pour les fans de la série. Certes. Il est pour ramener, pour populariser, certes, pour là, casser. Mais One Piece est plus grand public, parce que c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on rappelle quand même que Ryo Saeba, la force pour réussir ses enquêtes, c'est son érection. Erection. C'est pas forcément tout public. Mais du coup, à un moment donné, il a plus d'érection, il a eu pas son enquête. À voir. Moi, je pense qu'il y a un objectif de recrutement. On verra. En tout cas, réponse le 25 avril. Pour la sortie du nouveau film Ghostbuster, donc La Menace de Glace, au Japon, il y a une collab avec, figure-toi ma chère Soso, Dan, exactement, qui a été fait sous forme d'affiche. On y voit Momo et Ken
avec, pardon, l'équipement de SOS Fantôme, en train de lutter contre des fantômes, donc on voit avec les rayons qui partent un peu partout du côté de l'affiche. Je rappelle que l'animé Dan 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 sortira en octobre. Est-ce que, je vais pas commencer avec toi, bah, Soso, je vais commencer avec toi, Mehdi, est-ce que déjà t'as vu cette affiche, et surtout, est-ce que les collaborations manga-film pour annoncer la sortie d'un film, est-ce que tu trouves ça cool? Alors ouais, je trouve ça super cool, ça montre déjà qu'on a fait un bon bout de chemin, parce que c'est une super production en fait, Ghostbusters, oui. Et ouais non, franchement super cool, l'affiche en plus est lourde, ouais. Donc, et ça fait une bonne cross promo, puisque pour le coup il y a des actus des deux côtés, donc oui. Ouais, c'est validé. Diff. Moi ça me hype, ouais. J'aurais aimé qu'il y ait ça à l'époque 1900, tu vois, ça veut dire qu'on aurait vu un All Might, Schwarzenegger, un truc comme ça. Oh, j'aurais adoré. C'était une dinguerie, tu vois ce que All je veux Might. Dire. All Might. Sur l'affiche. Sur Predator. De Conan le Barbare. Ouais, de ouais. Conan. Un truc comme ça. Ouais, ouais, d'accord. Predator, ça aurait été cool. Tu vois. De Terminator. Ouais, voilà. Enfin bref, All Might. Ouais, moi ouais. C'est des trucs qui me hype. En plus, ça booste le manga, l'anime. Bien sûr. Et aujourd'hui, on peut que être content que ces choses-là arrivent. Et puis Dan Dan Dan, c'est un truc un peu étrange, donc ça marche aussi avec l'univers de Ghostbusters. Valentin. Bah justement, moi je suis super hype parce que ça en général c'est bien fait quand ils décident de faire une collab de ce type là, qui est pas on met ta marque pour vendre un paquet de mouchoirs ou autre, là c'est vraiment parce qu'il y a un objectif, ça fait depuis 2012 que ça augmente de plus en plus. C'était à My Hero Academia avec un film Avenger qui avait relancé cette institutionnalisation. Toi, t'as des trucs, tu les trouves. Ouais, on n'avait pas l'émission. Journaliste, bonjour. Ouais, mais t'en as eu plein, vraiment. Bah, tu meilleur journaliste du game. T'as un indique, quel bail. Et il a des indices. Je vous les passerai, je vous les mettrai sur Twitter. Là. Je t'avais envoyé par mail. Moi, je les ai tous, là. Par WhatsApp. Enfin bref, il y en a vraiment plein. Spy Family, on a eu deux. Détective Conan, on a eu. Il y a eu des trucs, c'est top. Moi, j'ai pas vu l'Avengers. Je vais te l'envoyer. Je te l'envoie. À la pause, là, à la fin de la première heure, on te l'envoie. Ok, ok. Soso, toi qui déteste Dan 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 et qui a pas du tout fait la promo pour. C'est évidemment ironique. Évidemment ironique. Je suis extrêmement contente de voir ce genre de choses parce qu'en fait, ça me rassure sur d'un point de vue com. Ouais. Parce que déjà, on a vu qu'il a été diffusé sur Netflix, sur Crunchyroll, sur ADN. Donc, on met le paquet sur cette licence parce qu'il faut savoir quand même que. Exactement. Il faut savoir que c'est quand même une licence qui marche au Japon. Oui. Et qui est très attendue. Et moi, tout ça là, tout me rassure. Que ce soit le choix du studio, le fait qu'il y ait des collabs avec un film qui correspond quand même à l'univers de Dan Dan Dan. Oh, pour le côté un peu what the fuck, l'humour et tout, parce que ça reste un manga assez drôle, Dan Dan Dan, et est complètement barré. Donc avoir cette image avec les deux, je trouve c'est incroyable, parce que oublions pas que Dan Dan Dan, on va essayer de le faire découvrir à un public qui l'a un peu squeezé quand ils ont lu le premier tome. Parce que je rappelle qu'il faut aller un peu plus loin que le comme premier moi, tome. Comme moi, j'ai squeezé full up. Ouais, mais en fait, c'est un manga qui casse un peu le délire de trame scénaristique classique. Donc du coup, en fait, faut aller beaucoup plus loin que toi, le premier tome. Toi, t'es à jour là, chaque semaine, chapitre et tout. Depuis toujours, oui. Mmh. Donc je le dis, c'est incroyable, je suis très contente. Donc j'ai hâte. Et pour terminer, alors là, ça va faire plaisir aux 1900, puisque Michael Rosenbaum, qui joue Lex Luthor dans la série Smallville, donc série qui raconte la jeunesse de Clark Kent, merci beaucoup Basile, a annoncé qu'il travaillait sur une suite de la série en version animée, que Tom Welling, donc, qui joue Clark Kent, Alfred Good et Miles Millar, les créateurs de la série, travaillent aussi sur le projet. Pour l'instant, ce n'est uniquement qu'en phase d'écriture, mais est-ce que ce projet vous hype, mon cher Valentin ? Ah, bah franchement, moi, c'était une partie de mes après-midi aussi. Hein. Donc, je pense que c'est un des meilleurs castings. Nous, c'était Trilogie du samedi. C'était le... Oui. Ah, ouais, oui, peut-être que je l'enregistrais, que je le regardais après. Ah, peut-être. Alors, c'est possible. Ah, t'es un OG de l'enregistrement, toi. Ouais, mais tu devais avoir match de hand, donc tu vois, il y a des priorités. C'est à IQ pour lui. C'est à IQ. Excuse-nous, Karabasic. Et du coup, ouais, moi, j'adorais ça. Et tu sais, toutes les adaptations de Superman avant ou après, il y avait un des persos du cast qui me sortait. Ouais. Tu vois, là, le dernier, Calville, top, mais c'est la pire Lois Lane que j'ai jamais vue de ma vie. À toi, enfin, moi, en termes, et même, c'est même pas l'actrice, hein, c'est son rôle. Ouais. Elle est écrite avec le cul, hein, désolé. Tu vois. Enfin, ça dépend de quel point de vue, du coup. C'est un Gaston Lagaffe incroyable. Elle foule. Lois Lane, c'est la meilleure. C'est le prix Pulitzer. C'est une reporter de guerre. Elle est dingue. Et ils en ont fait. D'accord, mais là, on revient sur donc, Smallville. Voilà, donc Smallville, c'était top. Et donc, il va me faire. Si on a cette approche et cette lecture, je l'adore. Je suis super content. Voilà. D'accord. Donc, retourner dans cet univers, je suis hype. Mehdi.
Déjà, t'as regardé Smallville? Ouais, j'ai regardé Smallville. Ah, okay. C'est un peu de ma génération. Okay. Du coup, je regardais pas mal. Par contre, ouais, ça me hype moyen, mais c'est personnel. J'ai un peu de mal avec le cross-média et surtout animé, série. J'ai toujours du mal à rentrer dedans. Et surtout que Smallville. Je savais. Pardon. C'est vrai. Tu vois, je regardais Smallville, mais bon, c'était pas non plus ma série. C'est pas ta série préférée. Tu vois, cross-média Charmed. Peut-être que j'aurais Buffy contre les vampires. J'aurais cédé. Il y a Witchcraft qui pourrait être pas mal pour toi. C'est pas Witchcraft, c'est Witch. Je retrouve le nom, je te le dirai après. Okay. Witch and the Beast. Non, c'est pas ça non plus. Diff. Moi là-bas, je suis team Lewis and Clark avec Ouais, on est Suzanne d'accord. Mayer, tu vois ce que je veux dire. Et quand Smallville s'est arrivé, j'étais déjà dans les enchaînements de garde à vue. Wow. On y revient toujours à la GAV. Toi, il y a un moment de ma vie où la télé n'existe plus et je suis tout le temps dehors dans des conneries, tu vois. C'est dommage parce qu'on a peut-être le meilleur Lex Luthor dans cette série. Ouais, j'ai pas regardé Smallville. Désolé. Mais ça me hype un peu, tu l'expliques bien. Ah bah, c'est gentil de me faire plaisir, merci beaucoup. Okay. Soso. Oui, pourquoi pas. Je sais pas trop, j'attends de voir ce que ça va donner, peut-être des premiers visuels, des trucs comme ça. Mais pour l'instant, tout ça c'est hypothétique, hein. C'est en phase d'écriture. Voilà, il faut que ce soit accepté. Donc, et tout. C'est un peu comme le live action Naruto, tu vois, j'attends de voir. Fais gaffe, c'est un film. Ouais, on va pas revenir dessus. Mais c'est vrai que moi, Superman, c'est un de mes héros préférés, que ce soit DC ou Marvel. Pour le coup, DC, il est. J'hésite encore avec Batman, mais Smallville, ouais, bon, alors moi, c'est vrai que j'étais une meuf de Lois et Clark. Moi, j'avais la coupe de cheveux de Lois en primaire, et j'étais très contente de l'avoir. Mais c'est vrai que Smallville, je kiffais bien, et surtout, le générique. Somebody save me. Ah, mais ça, je l'écoutais dans la voiture tout à l'heure, d'ailleurs. Oui, oui, donc ça tombe bien. Formidable. C'est incroyable. Je crois que cette émission est préparée. Donc, ça peut ramener un nouveau public, surtout. Ah, on en revient au nouveau public là. Toujours. Je pense que c'est ça le but. Hein. C'est toujours. Le problème, c'est comme c'est la suite de Smallville, c'est-à-dire qu'ils vont pas avoir tous les antécédents. Problème. Ah bon, d'accord. Ouais, quand un hype avec la suite de Man of Steel avec Henry Cavill. Mais il y aura pas de suite avec Henry Cavill. Arrête, parle pas des sujets qui fâchent. Je crée un multivers. Laissez-moi. D'accord, mais si ça arrive en animé, on en parle. Mais lui, il serait grave chaud. En plus, c'est grave un book des jeux vidéo et des mangas Henry Cavill. Mais en plus, il était Henry Cavill, petite aparté. Il était né pour jouer Superman. Ouais. Regarde son corps. Hey, le Man of Steel, 25 sur 20 ce film. Oui. Et disons-le, oui, c'est le meilleur combat de Dragon Ball. Hein. C'est le meilleur film Dragon Ball qui existe. Oui. General Zod. Exact. Pas dans Vegeta. C'est l'arrivée pas dans Vegeta. En plus fort. Ouais. Bref, c'est. Mais il finit pareil, hyper. Mais bref, ça c'est encore autre chose. Et évidemment, j'embrasse Shahid. Okay. Alors, c'est tout pour cette semaine. Le hype ou pas hype. De nouvelles hype ou pas hype. La semaine prochaine, mon cher Mehdi. Président, cofondateur de Konkuru, le magazine de prépublication de manga francophone. Je l'ai devant moi, je vais le montrer à la caméra. Est-ce qu'on le voit bien à la caméra? C'est bon. Hop. Alors, donc ça sort chaque mois entre février, entre février et juillet. Donc ça marche par saison. Exactement. Pardon. Avant qu'on en vienne à la création du magazine, comment est-ce que toi t'es tombé amoureux des mangas? Alors, ça commence. Alors c'était à l'école primaire. On est en quelle année? On est. Oh là là, alors l'année. T'es né en quelle année déjà? Oui. Alors moi je suis né en 96. Ça devait être aux alentours de 2002. Ouais. Oui, mais quelle primaire? CE2? Non, On est fatigué là. Trop de détails, trop de détails. Déjà primaire, vas-y. Ouais, primaire. Et du coup, donc, mes premières vacances. On va avec ma mère au marchand de journaux pour chercher des trucs pour me divertir parce qu'on partait en train. Ouais. Et qu'il y avait 8 heures de train et que pour un gosse, c'est 8 heures long. De train, c'est long. Et du coup, je tombe sur des demi-tomes de Dragon Ball. Je sais pas du tout ce que c'est. Ouais. Merveilleux. J'achète. Alors d'habitude, moi, je suis plus consommateur des petits comics Spider-Man qu'on trouve en marchand de journaux. Je prends ça et puis je découvre ça dans le train et je tombe fan des mangas en fait. Et en gros, ça a commencé à l'arc-bout. Et du coup, j'ai fait Dragon t'as Ball. T'as commencé par la fin. J'ai commencé par la fin. D'accord. Et du coup, le deuxième manga que j'ai lu, c'est Naruto. Et j'ai. Ah, alors, j'étais très bête. J'ai commencé par la fin aussi. Ah ouais, d'accord. J'ai acheté le tome 24. Et puis j'ai. Ah ouais, en plus, c'est la fin de Naruto, le tome 24. Ouais, ouais, du coup, dans Konkuru, tu publies la fin en premier chapitre. Comment ça se passe là? On a décidé de laisser ça dans l'ordre. Derrière nous. Et donc là, ça a été enchaîné après les mangas et animés. Exactement, ouais. Et là, aujourd'hui, du coup, quel est ton manga préféré? Plutôt de No Kurosawa. Bien, on est d'accord.
C'est ah ouais. High level. Ah oui, oui, bien sûr. Ah ouais, là, t'es deep dans le bail. Yes, yes, yes. Okay. L'animé t'a plu? Alors, je ne l'ai pas regardé. J'ai beaucoup de mal à regarder un animé d'un manga que j'ai déjà lu. Ah bon, pourquoi? Ah ouais, je sais pas. J'ai l'impression de revoir deux fois la même chose et ça m'agace. Pourtant, tu rates un truc. Alors, surtout sur Naruto, l'animé élève le manga. Sur Naruto? Ah ouais, l'animé, mais c'est... Ah, t'as pas regardé l'animé? Je dis pas ça de tous les mangas. Ça veut dire que t'as pas les openings, les endings? Si, justement, j'ai regardé les deux, parce que j'étais petit et bref. Moi, je suis pas d'accord avec cette assertion, mais... Le manga de Kishimoto, il est incroyable. Ouais, c'est vrai, je trouve que l'animé est meilleur. Je dis pas que le manga est pas bien, attendez, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non, j'ai du mal à choisir entre les deux. T'as regardé l'animé, non? Ouais, j'ai regardé l'animé, par contre j'ai pas tout regardé. Mais les combats sont fabuleux en animation. Ah, forcément, Hubert. L'animation de combat dans les shonen c'est incroyable, mais le manga est quand même sublime. Mais j'ai pas dit le contraire. Ouais, non, mais je veux dire que là, j'ai dit que l'animé sublime le manga, le manga est déjà extraordinaire. Ah d'accord. C'est ça que je dis. Et c'est pas le cas de tous les animés. Ouais, bah ça, après, oui, c'est vrai qu'on a Berserk à côté, quoi, tu vois. Ouais. J'aurais dit plus récent avec un Black Clover, mais c'est encore autre chose, tu vois. Ou là, ça dessert le... Bon, bref, c'est pas forcément le truc. Et donc, sujet. Hors sujet, exactement. Et à partir de quand tu t'es dit, parce que j'imagine que tu connais le Shonen Jump, parce que ça a dû t'inspirer un petit peu. À partir de quand tu dis, mais j'aimerais bien faire quelque chose pour les mangaka français? Bah alors, si tu veux... Pour faire toute la genèse, ça commence. Alors, j'ai commencé les mangas, Dragon Ball, etc. Et puis, je me suis vite mis à dessiner, en fait. J'ai commencé par dessiner. Dans l'optique de faire ton manga? Dans l'optique de. Alors, au début, juste dans l'optique de dessiner comme n'importe quel enfant. Ouais. Et ensuite, dans l'optique de faire mon manga. Et tu dessinais bien? Je dessinais bof. Ah. Ça a été tous notre cas ici, sinon on serait mangaka. Non, franchement, j'étais pas ouf, même en prime. Mais bon, du coup, donc je commençais à dessiner des Goku par-ci, des Vegeta par-là. Ensuite, j'ai commencé à dessiner mes propres persos, à essayer d'imaginer mes propres histoires. Et puis, je me suis vite pris en fait à rêver, à rêver grand, à me dire pourquoi pas le Japon, devenir mangaka. C'était en plus l'époque de Bakuman. Okay. Il y avait les premiers tomes de Bakuman qui sortaient, je lisais les scans et j'étais membre du forum Bakuman France. Ah oui? Ouais. Forum, à l'époque. Mais pas fondateur. Pas fondateur. D'accord, ok. Non, non, j'étais trop forums. Petit. Les fameux forums. C'était vraiment l'époque des forums où si tu voulais rencontrer des gens qui connaissent les mangas, déjà il fallait être sur des forums. Ouais. Et qui dessinent, alors encore pire. Ouais. Donc voilà, beaucoup de dessins, s'il y avait ce rêve. Mais bon, très vite, on va dire, la réalité m'a rattrapé. En plus, je venais de. Alors j'étais un petit gars de banlieue de province, donc je venais de Roubaix, moi. D'accord. À la base, Roubaix, Nord-Pas-de-Calex. Du Nord-Pas-de-Calex, exactement. On met des X à tous les trucs maintenant. Oui, d'accord, ok. Pourquoi pas. Du coup, ouais, bon, clairement, en plus, à ce moment-là, il y avait, en France, je crois qu'il y avait deux ou trois auteurs publiés, pas plus. Il y avait Renaud Le Maire et Grimland, il y avait Dofus aussi. Mais bon, on va dire que l'espoir n'était pas permis. J'ai laissé ce rêve de côté, et du coup, je dirais 15 ans plus tard, j'avais l'envie de monter un projet. Et puis je me suis dit pourquoi pas le manga et pourquoi pas faire un projet qui pourrait permettre aux jeunes, aux petits médias d'aujourd'hui, d'avoir un truc auquel se raccrocher et puis un objectif qui soit concret. Je voulais aussi faire un peu comme au Japon, tu vois. Oui. Alors pas que dans l'idée du magazine de prépublication, mais tu vois, par exemple, au Japon, t'as beaucoup de concours. Pour les auteurs, pour s'exercer, etc. Et j'avais vraiment cette volonté-là de ramener deux choses, les concours et le magazine de prépublication. Mais t'étais tout seul ou t'avais des poteaux dans ton délire ou bien c'est vraiment ton vibe, ton nindo à toi? Alors, à l'époque, pour trouver quelqu'un qui regardait les mangas déjà à Roubaix, surtout en tout cas, Roubaix, il y en avait pas beaucoup. Mais ouais, j'avais un pote à moi qui dessinait aussi d'ailleurs. Et dédicace-le. Bah c'est les dédicaces. Ouais, on en a parlé tout à l'heure, c'est pour ça. Big up à Face. Hein. Ah, Big up à Face, Face. C'est donc un producteur. Exactement. Ah, okay. Imagine. C'est pour ça que je suis invité. Ah, bah, on a une origin story. Il vient de Roubaix déjà. On commence là, petit à petit. On va y avoir. Non, mais c'est un bouc du neuf. Hein, Ouais. Ah, totalement. Val. Ouais, du coup, j'avais une question. T'as mentionné les concours au Japon. Et une symptomatique des concours au Japon, c'est qu'il y a un mangaka sur trois parmi ceux qui sont devenus célèbres qu'on dit « Ouais, j'ai fait le concours juste pour l'argent » au début, avant de se dire d'envisager en faire une carrière. Comment est-ce que vous avez monté votre plan financièrement? Parce que derrière, eux, ils ont des grosses maisons d'édition qui peuvent se permettre de donner 3000 euros, 5000 euros pour le gagnant d'un concours. Comment vous avez imaginé vos concours? C'est quoi les récompenses quand on participe? Alors,
Nous, si tu veux, on les a pas tant attirés avec un système de récompense, mais il y a une chose à comprendre dans le milieu du manga français, c'est que il y a beaucoup d'auteurs, il y a énormément de talents en France et même dans toute la francophonie, mais en fait il y a très peu d'auteurs publiés en proportion. Ouais. C'est une petite poignée d'élus. Aujourd'hui, ça commence à s'ouvrir un petit peu plus, mais ça reste quand même super rare les auteurs qui sont publiés. Donc déjà, on n'avait pas forcément besoin d'avoir un attrait par exemple financier ou autre. Il y a déjà l'aspect d'être publié, d'avoir une visibilité. Et puis très honnêtement, la plupart des auteurs, même avec lesquels je discute de notre mag, le côté financier généralement, bon, il est quand même important, mais il passe au second plan. Eux, ils avaient vraiment la volonté d'aboutir un projet, tu vois, vraiment de faire un projet de A à Z, parce que quand t'es mangaka amateur, c'est difficile d'avoir la volonté de pousser jusqu'à faire un tome complet, deux tomes complets. Donc c'est plutôt ça et le fait d'avoir de la visibilité et d'être publié au format papier qui les a attirés. Diff. Donc en fait, le magazine est publié de février à juillet, c'est ça ? Exactement. Et donc de juillet à février, c'est la chasse au casting. Alors le casting, nous, on l'a fait en avance, ouais, si tu veux. Donc, en gros, nous, on a une maison d'édition qui, tous les mois, on publie un tome où tu vas retrouver 6 mangas, donc 5 séries et un one-shot. Donc, on a toutes nos séries et nos one-shots qui sont déjà bookés avant la saison. Et je pense que d'ici quelques mois, on commencera le recrutement pour la prochaine saison. Et ce qu'il faut savoir aussi, et je ne l'ai pas dit, c'est que d'une saison à une autre, on repart avec des nouvelles histoires. D'accord. Donc, de nouvelles séries et de nouveaux one-shots. Okay, donc tout se finit en une saison à chaque fois les mangas. Exactement. D'accord. Dernière, en ce qui concerne toi, quand tu dessinais, toi aussi tu voulais faire aussi ce genre de concours ou de placement. T'étais sur quel genre d'histoire? Tu dessinais un truc à toi perso? T'étais alors, dans quel délire? Moi, alors j'étais pas ouf au niveau dessin, donc j'étais assez limité. Peut-être que ton scénario était lourd de ouf. Peut-être, mais... Alors, moi, j'étais plus sur l'humour. Mmh. Et alors, si tu veux un scénario, le projet de ma vie, le plus grand projet, celui pour lequel j'ai dû faire, je sais pas, une dizaine de pages finies. Après, j'ai jamais eu la volonté de finir. C'était l'histoire de zombies, okay, qui envahissent un supermarché Auchan. D'accord. Et du coup, notre héros faisait un entretien d'embauche pour devenir vigile. Vigile. Et il avait loupé son entretien d'embauche. Il se retrouve pris un peu là-dedans. C'était un manga comique. Ok. Voilà. Ouais, j'aime en bien. Vrai, c'est pas mal. Ouais, j'aime bien. Exact. J'aime bien le principe. J'ai déposé le copyright. Oh, bah, oui, copyright. Tu racontais que t'étais tombé dans le manga en achetant dans un kiosque un Dragon Ball. Ouais. Où on peut trouver Konkuru? Comment on peut acheter votre magazine et combien ça coûte? Alors, Konkuru, ça coûte. Jean-Pierre Pernaut. Ça coûte 12,50€. On peut le trouver en ligne principalement sur le site de concours.fr, parfois aussi en convention, dans quelques librairies, parfois on passe, on est en dédicace, il y a de la vente de tomes, mais on va dire vraiment principalement en ligne, et voilà. Et j'ai lu, alors tu me dis si c'est faux, je t'ai vu sur ça. Tu me dis si c'est faux, mais il y a une partie des ventes qui est reversée aux mangaka qui ont participé au tome. Exactement, en fait, ils touchent une rémunération tous les mois pour leur chapitre. D'accord, ils sont payés à la vente du magazine. Alors nous, on fonctionne avec un système de rémunération fixe, ouais, et avec un système variable. En fait, il y a une partie fixe, une partie variable, ouais, une partie fixe qui est versée tous les mois, et à la fin de l'année, en fonction du nombre de ventes, il y a une rémunération qui est une prime qui est versée. Ok, Soso. Moi j'ai deux questions, deux petites questions. Il y en a une, c'est est-ce que vous êtes du coup en lien avec Parlons Manga Français? Ouais. Ou justement ils connaissent pas mal d'auteurs, ça pourrait permettre. Enfin, du coup vous êtes en lien. Ouais, on connaît JD, ouais, de Parlons Manga FR, ouais. Ok. Deuxième question, est-ce que si par exemple un éditeur français vous proposait de vous racheter, de publier leur mangaka français dedans, ou vous accepteriez ou vous préférez rester un peu tout seul, mmh, tranquille, dans mmh votre coin et libre de vos choix? Ça dépend. En fait, ça dépend de plein de trucs. Et comme tu as dit, la liberté pour nous, c'est super important. Surtout que, en fait, bon, mis à part Geoff qui venait du milieu de l'édition, dans l'équipe, on n'est pas trop du milieu de l'édition. Mmh. Donc, on a notre propre vision des choses. Après, si on arrive à la conserver, à conserver notre indépendance... c'est tout bénef. Là, ce serait tout bénef. Mais si c'est juste pour se faire absorber et puis devenir... juste un magazine promotionnel, ça c'est pas du tout le but. Nous on veut vraiment être le tremplin pour les jeunes auteurs et de la francophonie entière, c'est-à-dire pas que de la France. Mmh.
Pour rebondir sur le côté promotionnel, quand même dans les magazines japonais, encore plus dans de Shoujo, il y a énormément de publicité. Vous vous êtes posé la question, parce qu'on peut le dire pour les auditeurs, il n'y a aucune pub dans ce magazine, c'est vraiment juste un album, il n'y a que les pages d'histoire. Vous vous êtes posé la question, si oui, pourquoi vous avez choisi non ? Alors justement, on fait de la pub, c'est juste que ce n'est pas dans tous les numéros, mais ouais, on fait de la pub justement un peu à la japonaise. Alors dans ce numéro-là, je pense qu'il y a dans le numéro 1 de cette saison ou le 2, il doit y avoir une ou deux pages de pub. Parfois c'est pour des partenaires, mais parfois c'est pour des personnes qui viennent nous acheter des encarts publicitaires. Donc on fait ça également, ouais. Okay. Sinon, il faut faire comme aux États-Unis, là, tu sais, dans les magazines, il y a tout un tas de flyers, de publicité. Oui. Je ne sais pas si ça se fait toujours, mais c'est insupportable. Quand tu tournais une page, il y avait 50 000 trucs. C'est relou. Dis-moi. Ah non, pardon, Soso. Excuse-moi, oui, c'était à toi avant juste moi. Juste une question. Est-ce que vous avez une préférence pour le choix de vos auteurs ou des histoires, ou vraiment où ça marche au feeling, ce que vous aimez ? On va dire qu'il y a deux temps. On va dire qu'il y a le pendant la saison et l'après et l'avant. Donc avant, c'est la sélection. Nous, on discute beaucoup des projets. Parfois, c'est tendu, il y a de la castagne. C'est pas toujours facile de se mettre d'accord sur un projet. Okay. Mais on a quand même quelques critères en commun. Nous, on a envie de proposer des histoires qui sont vraiment originales au maximum. Ou alors des styles graphiques qui sont originales, ou parfois les deux. Donc ça, déjà, c'est vraiment un des critères qui va être pour nous les plus importants. On n'a pas envie non plus d'être une copie du Japon. Donc en fait, on n'a pas envie que nos mangas soient des pâles copies de mangas japonais, un énième shonen, une énième copie de Naruto. Okay. Ça, c'est pas du tout notre ambition. Donc on va dire qu'à ce moment-là, il y a un premier filtre qui s'opère avec ces critères-là, comme je t'ai dit. Et pendant la saison, il y a un système de vote. En fait, là, c'est les lecteurs qui vont voter, qui vont dire quelle série ils préfèrent. Quelles séries ils ont préférées dans le magazine, quels personnages aussi ils préfèrent, parce qu'on considère que c'est quelque chose d'assez important. Ouais. Ils votent chaque mois, et à la fin de la saison, ça nous permet d'avoir une idée de ce que les lecteurs ont aimé, parce qu'au final, c'est eux le juge, quoi. Nous, on peut que faire des hypothèses, on publie ce qu'on aime, ça c'est sûr, mais parfois on a des surprises. Il y a parfois un manga qu'un membre de l'équipe peut beaucoup aimer, et au final, dans les votes, il se retrouve pas si bien représenté que ça. Donc, il y a ainsi un système de vote, et ça nous permet, après la saison, de savoir, est-ce qu'on va, par exemple, publier tel auteur en tome relié, ou alors est-ce qu'on va poursuivre, mais sur une autre histoire, sur la saison prochaine, etc. Ok, c'était ma question du coup. Est-ce que, rapidement, tu peux, pour ceux qui viennent tout juste d'arriver, qui nous écoutent là en cours de route et qui n'ont pas entendu tout ce qu'on a dit depuis le début sur Konkuru, est-ce que tu peux nous faire un rapide résumé de ce qu'est Konkuru ? Ok, alors Konkuru, c'est une maison d'édition qui publie chaque mois un tome où tu vas pouvoir retrouver 6 mangas, 5 séries et un one-shot. La particularité de Konkuru, c'est que ce sont des mangas écrits et dessinés par des auteurs francophones, et ça permet de donner leur chance à des jeunes auteurs d'être publiés, d'être lus. Et voilà, toutes nos histoires sont originales et inédites, et il y a un peu de tous les styles, je dirais, principalement dans les catégories traditionnelles shonen et seinen, mais il y a pas mal de styles graphiques et d'histoires qui sont différents, donc... voilà. Konkuru, et ça sort de février à juillet. Konkuru, c'est dans Naruto, ça. Non, c'est Konkuru. Ah ouais. Là, je suis fatigué. Mais, les gens confondent souvent. Ah ouais. Ouais, les gens confondent souvent. Ouais. Et personne t'a dit Konkuru. Personne t'a dit Konkuru basket non plus. Non. Oh, voilà. T'as tiré le truc. Ouais. Alors, je mets toujours du temps à les comprendre en plus. Voilà, parce qu'elles sont souvent mauvaises. En fait, c'est pour ça le problème. Bien plus, je ne prononcerai pas. Mais c'est sympa, Mehdi. Écoute, on a encore quelques questions, mais juste avant, on verra si on a le temps par la suite. Notre cher Valentin a ce qu'on appelle la chronique la plus longue du monde. Ok. Appelle le Nani. Titre. Elle est bien. Je te laisse te rappeler ce qu'est le Nani, et puis c'est parti, mon cher Val. Yes, Nani, c'est la chronique qui vous raconte des anecdotes et qui place un contexte autour de la pop culture nippone. Et donc, si je vous dis aujourd'hui SOA, vous pensez à... Sons of Anarchy, c'est bien ça que vous pensez. Eh ben, c'était faux, parce qu'il fallait penser à Saphir, okay. Oscar et André, parce que oui, je vous avais teasé, on va parler aujourd'hui de femmes chevaliers. On commence donc par Princesse Saphir.
Mais non, je suis trop con, je me suis auto-feinté. Ça, c'est la princesse Trauma. Pardon, Sarah. Bon, bref, il y a trop de princesses. On a bien fait d'en dégommer un paquet dans la fin des années 80 de 1700. Princesse Saphir, le chevalier au ruban, en japonais, est un manga d'Osamu Tezuka. Oui, le dieu du manga, l'homme qui a réalisé plus de 150 000 pages de manga. Ah oui, excusez du peu. Donc, excuse-moi, t'en as fait 10? Oui. Ouais, t'as du chemin à faire. Oh tiens, petite question piège. Je parlais quand même. À ton avis, je m'en vais. Combien de séries Maître Tezuka a-t-il publié en même temps, en parallèle, en simultané? 10? 3? Ouais, alors non, c'est ni 10 ni 3, mais c'était 7. C'est déjà quand même pas mal. Moi, je galère à faire une chronique par semaine. Alors, 7 séries en parallèle, c'est un truc de fou. La naissance de Princesse Saphir est d'ailleurs, au passage, assez originale. Osamu Tezuka a 25 ans. Il est déjà au sommet parce qu'il a fait Astro, le petit robot et Le Roi Léo. Quand un éditeur, Monsieur Makino, lui commande un manga pour booster les ventes du magazine mensuel Shoujo Club. Grand fan de la revue Takarazuka, Tezuka s'est inspiré de ses actrices grimées en garçon pour son héroïne. La comédienne de doublage qui prête sa voix au personnage de Saphir, Yoshito Ota, vient aussi de la revue Takarazuka. Et pour votre culture, c'est la voix de Nobita Nobi, le héros de Doraemon, un des personnages les plus connus au Japon, et de Léo, le petit lion. Donc c'est une des voix qui a été le plus écoutée pendant une quinzaine d'années au Japon. Saphir, c'est le premier personnage qui a popularisé au Japon l'expression Sento Bishoujo, ou la beauté combattante. Donc sans Saphir, on n'aurait peut-être pas eu de Utena ou de Sailor Moon. Pour vous dire tout ce qu'on lui doit, Tezuka lui-même revendique avec ce manga d'avoir réaliser le premier shoujo à histoire et pas juste un prétexte à du gag ou des scènes de romance. Le manga a été un tel succès qu'il a eu droit à un drama radio, 114 épisodes de 15 minutes. Ouais Hubert, 15 minutes. C'est long. Hein ? 15 minutes, une chronique, je dis ça comme ça, garde ça dans un coin de la tête. Bon, je m'égare. Le manga a eu droit à 3 remakes par la main de Tezuka lui-même. Bon, sur le dernier, il a fait que le scénario, comme on lui avait demandé de refaire un truc en SF. En France, c'est la seconde version de ce manga qu'on a eu aux éditions Soleil. Et question impossible de ouf, quelle est la particularité des chapitres de Princesse Saphir dans leur première publication, Hubert ? Si c'est impossible, réponse D. Ouais, et bah c'était effectivement impossible. Fun fact d'initié, chaque chapitre, donc pendant 3 ans, débutait avec 7 pages couleur. 3 en trichromie, 4 en bichromie. Le truc de malade. Et je vous rappelle qu'il faisait plein de trucs en parallèle. Allez, je finis cette première partie sur un autre fun fact. Si en France, nous avons eu l'animé très tôt, en 75, c'était grâce à nos amis québécois, le premier doublage. Et aux USA, eux, ils ont dû attendre 2013 pour avoir droit à la série complète. Parce qu'en effet, en 1970, NBC avait refusé la série car c'était trop problématique au niveau de l'identité du genre. Et c'était déjà ça. Mais l'icône des femmes chevaliers, comme disait Soso en début d'émission... C'est Lady Oscar. Et ouais. Lady Oscar. À toute mon enfance. Elle est habillée comme un garçon. Quelle femme. Et ouais, pour les vieux, c'est Antoine Decaune qui a écrit les paroles de cette chanson. Versailles Nobara, la rose de Versailles, et le manga qui est considéré comme le premier hit en shoujo, le premier best-seller, c'est ça, en 1972. Sa créatrice, l'éminente Ryoko Ikeda, est issue d'une famille de samouraïs. Un peu la classe. Oui, très très bonne, très très bonne ref. Et elle s'essaye à tous les arts quand elle est enfant, elle fait vraiment plein de trucs. Dès l'école primaire, elle se met à écrire des histoires, écriture et manga. Et au collège, elle a même envoyé un Yonkoma, donc ces petits comic strips en quatre cases, et a reçu les félicitations de Shotaro Ishinomori. Donc si vous écoutez les anciennes émissions, on a déjà parlé de lui, qui lui a proposé de venir au studio et ses parents, ils ont dit « Dame !» On refuse. La mangaka, elle a eu la première idée de son histoire en lisant le roman de Stefan Zweig sur Marie-Antoinette. Et elle a pensé au titre en premier avant de penser à l'histoire. Donc la rose de Versailles. Ouais, au désolé Hubert, j'avais pensé à ça. Vas-y, continue. Et elle s'est dit, un jour, je ferai la rose de Versailles, que ce soit un manga, un film, une série télé, peu importe, mais je ferai un truc. Ryoko Ikeda est touche à tout, mais vraiment à tout. Elle a même passé un examen pour avoir le droit de faire un truc de ouf. Hubert, à ton avis, qu'est-ce qu'un lycéen peut faire un truc de ouf qui nécessite un examen ? Au Japon ? Au Japon. Mobilette, scooter ? Ouais, ça aurait pu, mais elle a une licence pour pouvoir opérer sa propre radio amateur. Ouais, c'est genre des fun facts de dingue malade. Mais elle ne choisit pas tout de suite de faire carrière en tant que mangaka avec tout ce qu'elle fait. Elle va à l'université étudier la philosophie, plutôt pour s'orienter vers l'écriture. Et son père, très conservateur, n'a accepté de financer qu'une seule année d'université. Ouais, la femme, c'est à la maison à l'époque. Et à la fin de cette année, elle devait se débrouiller toute seule. Elle rejoint le Minsei, un mouvement étudiant
proche du Parti communiste. Et tu veux un fun fact rigolo entre Ryoko Ikeda et moi et peut-être toi, Hubert ? Ouais, éclaire ma lanterne. Eh ben, elle s'est fait taper dessus pendant une manif. Voilà, welcome to the moi. Club. Parce que je vais pas en manif. Ok, bon, ben voilà, c'est mon côté tu rebelle. Tu t'es fait chicoter dans les manifs. On en reparlera après. Les... Ouais, okay. Bah, ouais, comme tout le monde, je pense. À la fin de l'année scolaire, elle abandonne l'université et quitte même le domicile familial pour devenir indépendante et par rejet de cette société traditionnelle. Elle travaille en tant que prof à domicile dans une usine à la chaîne. Elle visse des trucs qui passent sur un tapis. Elle est même serveuse dans un café. Et à ce moment-là, elle se dit, bah, je vais faire mangaka, c'est plus cool, je reste à la maison et on m'embête pas trop. Elle envoie un one-shot à Shueisha et à Kodansha qui lui disent, bon, bah, c'est pas encore trop ça. Mais un éditeur de chez Kodansha la redirige vers les magazines de prêt de manga. Donc, c'est ceux qu'on louait à l'époque. Donc, c'est pas des trucs qu'on achète. Et ça paye bien ça, à ton avis, Hubert ? Vu le prix des locations, je pense pas tellement. Non. Et ouais, ça paye super mal. Donc, elle galère de ouf. Et elle lui arrivait une fois pendant 3 jours de se nourrir seulement de biscuits qu'elle avait achetés pour 10 yens. C'est-à-dire qu'elle avait un paquet de gâteaux à genre 1 euro d'aujourd'hui. Elle a tenu 3 jours avec ça en attendant la paye d'avoir. Donc, vraiment, les auteurs qui réussissent, il y a plein d'auteurs qui galèrent derrière. Respectez ce dévouement. Et 2 ans après cette condition, elle publie dans les magazines de Kodansha et de Shueisha qui ouvrent leurs portes. Et après plusieurs one-shots, elle dit « Ok, j'ai envie de faire ma série ». Et là, elle pitch vers Sai Nobara. Son éditeur lui dit « Non, les trucs d'histoire, c'est pas en heure ». Elle passe 4 heures de réunion, elle arrive à le convaincre. Et il lui dit « Ok, mais si ça marche pas, t'arrêtes tout de suite ». Ok. Elle sort son truc et c'est un carton de dingue, à tel point que rétrospectivement, Moto Hagio, elle dit que Versailles Nobara participait à l'essor des ventes de mangas shoujo au format Tankobon. Avant, c'était quasiment que des one-shots et des séries courtes qui n'étaient jamais publiées en version reliée. 23 millions d'exemplaires vendus au compteur, compteur arrêté il y a 20 ans. Donc, ça veut dire que ça a monté depuis. Et Oscar, qui est le personnage clé, n'aurait pu ne pas voir le jour. Il a vu le jour seulement. Parce que Ryoko Ikeda se sentait pas dessiner un homme. Elle a dit « Ok, je ne serai pas en écho avec ce personnage. » Oscar André, le manga a explosé tout de suite, mais là où il a atteint une autre dimension, c'est quand il a été adapté en pièce de théâtre. Pièce de théâtre qui a été jouée plus de 1500 fois pour plus de 5 millions de spectateurs au Japon. Et là, on est là aujourd'hui, 50 ans après, à parler d'Oscar, alors qu'une nouvelle héroïne grimée en garçon, André, je vous avais dit qu'on parlait de S.O.A., donc voilà, André, est l'héroïne du manga La Mariée de Bretagne, publié aux éditions Kurokawa en France. Un super manga que je vous invite à lire. La mariée de Bretagne, ouais, qui se déguise en chevalier pour pareil faire histoire de vengeance, c'est top, et vraiment vraiment top. Je vous invite à le lire. Et le premier chapitre est publié en breton par l'édition Kurokawa pour la blague. Donc là-dessus, Kenavo, les fans de manga. Bah, très bien. Bien joué merci pour Kenavo à la fin. Il y a que Soso qui a compris, mais ça veut dire salut en breton. Oui, j'ai un peu compris. Tu connais la vallée des Dana. Salut, salut, tu as faim. Ah, ok, fais attention. Alors, Diff a fait une vanne, mais on rebondira pas dessus. Okay. Merci beaucoup, Val. Dis-moi, vu qu'on est à presque mi-saison du magazine de Konkuru, est-ce que vous avez déjà commencé à bosser sur la saison 3 là ? Ouais, on commence à bosser dès maintenant sur la saison 3, ouais. Et est-ce qu'il y a des... Alors, je sais que tu vas pas tout nous dire, mais est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont tapé déjà dans l'œil ou dans le cœur ? On a des trucs, mais comme pour l'instant, on n'est pas encore sûr que ça va sortir. Mais ouais, il y a des trucs qui m'ont tapé dans l'œil. Voilà, j'en dirai pas plus. T'en diras pas plus. T'avais une question, Soso ? Oui, j'ai une petite question qui rebondit un peu après le Nani, justement. Est-ce que y a des autrices femmes qui sont venues vers vous ? Et en vrai, est-ce qu'il y en a autant que les hommes ou ça reste quand même une petite niche ? Non, franchement, il y en a beaucoup. Ouais. Nous, on aimerait en avoir plus. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui nous proposent des dossiers, mais il y en a quand même. Et du coup, cette saison, on a justement une autrice femme qui est là-haut dans le ciel, l'autrice de Demon Spider. Bah, Demon Spider, c'est ce que j'allais dire. Ok, trop bien. Et Feriel, l'autrice du One Shot dans le numéro 2 aussi. Lost Star. Exactement. Très bien, merci beaucoup. Alors, Valentin, je sais que tu avais une question, mais malheureusement, on est un petit peu pris par le temps. Je pense que tu pourras la poser hors antenne à Mehdi sans problème. Je rappelle, Mehdi Hamzaoui, tu es président et co-fondateur de Konkuru, magazine de pré-publication de manga francophone. Rappelle-nous dans quel pays c'est distribué là ? Dans quel pays on peut les prendre, à part la France ? On va dire principalement la France aujourd'hui. Ouais. D'accord.
Et bah écoute, dès que la saison 3 commence, si tu veux venir nous présenter les nouveautés qu'il y a dans le magazine, tu sais très bien que tu es le bienvenu ici. Avec grand plaisir. Allez, la suite des réjouissances dans Yata, on va avoir la chronique de Diff, on aura aussi le Himitsu de Soso, on aura les mangas qu'on aimerait mettre en lumière, ce seront un peu nos choix de cœur. Mais avant tout ça, parce que c'est quand même un beau programme qu'on a pour cette deuxième heure, oui. Avant tout ça... Vous savez que notre cher Ringo est au Japon. Oui. Alors des fois, elle fait joujou dans la neige. Avec des renards. Avec des renards. Bon, elle dort dehors. Elle fait un peu ce qu'elle veut. Elle dort dans des cimetières. Ouais, elle a un peu une vie de bohème là-bas. C'est un peu son truc. Mais quand même, des fois, elle nous fait des vidéos. Alors les vidéos sortent le jeudi sur les réseaux de Move. Mais évidemment, on les a en exclu dans Yata. Et oui, cette semaine, notre cher Ringo revient sur une saga de jeux vidéo qui est aussi en manga. Qui a aussi eu un film qui n'était pas forcément ouf, mais c'est une autre discussion. Ringo sur Final Fantasy. Final Fantasy. À moins que vous viviez dans une grotte ou que vous n'aimez pas les jeux vidéo, mon Dieu, votre vie est si triste. L'un des jeux les plus attendus cette année est sorti il y a quelques semaines. Je parle bien entendu de Final Fantasy VII Rebirth et il y a pas mal de choses à dire niveau animé. Au Japon, la licence FF est un monument du patrimoine, littéralement. C'est des millions de ventes juste ici et ce depuis le premier, en 1987. Et il y a facile un demi-million qui a été acheté par moi. Regarde juste la pigeonne que je suis, s'il te plaît. Et qu'est-ce qu'on fait quand une licence marche bien? Eh ben on les sort jusqu'à la moelle. Et est-ce que Square Enix va s'en priver? Non. Et si je vous dis Final Fantasy, il y en a un qui les domine tous, pas tant en termes de qualité, c'est pas le sujet, mais en termes d'héritage, et c'est le 7, évidemment. Et il y a eu une tentative d'animé avec un épisode unique, Last Order. Réalisé par Osaka Morio, le réalisateur derrière Nana, Oremonogatari ou encore Chobits. Un monsieur très talentueux, mais bon. Fallait vraiment pas lui laisser le bébé pour le coup. Le rythme est très compliqué, ça condense énormément d'informations en 25 minutes. Du coup, les fans sont frustrés parce que tout est rushé, et les néophytes ne comprennent rien. L'animation n'est pas au rendez-vous, et le chara-design, on va dire que c'est d'époque. Non, non, s'il faut retenir un produit dérivé, c'est évidemment Advent Children, sorti en 2005 et réalisé par Monsieur Nomura Tetsuya en personne. Il n'a pas pris une ride et se regarde encore très bien aujourd'hui. Il est souvent décrié par la communauté, et j'entends les critiques, hein, mais... J'aime ce film. Y a patate de fanservice, ça fait pas toujours sens, mais... La scène de retour de Sephiroth, celle de Zack et Iris. Bon, sur ce, je te laisse. J'ai mon jeu à déballer. Saraba. C'est très important de déballer les jeux. Oui, ça... non, pardon, je vais pas dire. C'est vrai que je t'ai tendu une perche. Ouf. Oui, c'est vrai. Alors, peut-être qu'on peut juste faire une petite aparté. Puisqu'il y a un lien quand même, jeu vidéo, manga, dans Final Fantasy. Peut-être qu'on peut faire une petite aparté. Je pense qu'on a tous joué à Final Fantasy ici. Oui. Ça dépend peut-être pas tous au même. Bon, là, elle parle du 7, qui est le 7 Rebirth, qui est... Je viens juste de le commencer, donc je peux pas encore le juger, mais qui est plutôt pas mal. Oui. Soso, je sais que toi, c'est ta saga de jeux vidéo préférée, oui. Si je ne me trompe pas. Vive Square Enix. Vive Square Enix. Du coup, j'ai pas envie de commencer avec toi, j'ai envie de commencer avec Val. À quel point ça t'a... Tu aimes bien Final Fantasy, toi, et à quel point c'est impactant. J'ai appris l'anglais grâce à jeu, parce que comme le disait Soso, avec ma tête de personne aux origines ariennes, j'étais allemand LV1, ouais. et du coup j'ai appris l'anglais en jouant à Final Fantasy. Auquel 3 chez nous, parce que mais en fait le 6. Donc était sur Super NES, ouais. Ouais. Et il fallait acheter un adaptateur pour pouvoir brancher la cartouche anglaise sur notre Super NES, et j'ai appris l'anglais comme ça, quoi. C'est très fort d'apprendre l'anglais sur un jeu vidéo. Ah ouais, donc toi, mais tu dis pas Final Fantasy. Tu dis Final. Je dis Final Fantasy. Yeah, baby. Yeah. Et je dis le 3 qui est le 6 parce que il s'appelait le 3 en anglais parce qu'ils avaient sorti à partir du 4 et donc le 4 était le numéro 1 là-bas. D'accord. Ah, c'est super compliqué. Oui. Moi, j'ai commencé avec le 7, hein, donc que j'avais adoré. Diff, t'as joué toi à Final Fantasy? Légèrement. Et c'est quoi légèrement? J'aimerais bien savoir c'est quoi jouer légèrement. En vrai, je connais, mais j'ai jamais vraiment été hypé et j'attendais vos témoignages. Nos retours. Pour l'être, et en fait, il a rien dit. Ah, pardon. Alors c'est un des premiers jeux choral auquel j'ai joué. Parce qu'en général, quand on avait un RPG, donc un jeu de rôle japonais, on avait 2-3 personnages. Les Final Fantasy, c'est une saga qui te met plein de personnages. Tu t'en trouves toujours au moins... Tekken, ça se tape. Non, genre. Non. Là, on est sur un RPG, donc c'est encore différent. Là, t'as plein d'histoires, mais surtout,
tu les incarnes tous. T'es vraiment, c'est comme quand tu passes d'une époque où t'as que 2-3 persos dans un manga que tu vas suivre à la génération où t'as Captain Tsubasa, où t'as une dizaine de personnages vraiment importants, Dragon Ball, où t'as plein de personnages importants. Donc tu passes d'un moment où t'avais juste un protagoniste avec 2-3 qui lui tournent autour à t'as plein de trucs. Et ça te donne une diversité, une profondeur incroyable. Tu parcours le monde entier. À un moment, t'as un Zeppelin. On retourne aux Allemands d'ailleurs. Et tu fais le tour du monde, quoi. Ou aux stars du rock. Oui, Led Zeppelin. Voilà. Final Fantasy, c'est pas pour rien que c'est un des trois les plus vendus au Japon et même hors du Japon. Ça a mis Square Enix sur la map monde mondiale. Avant de te lancer, Soso, parce que moi j'en ai pas fait beaucoup. En fait, j'ai joué à 4 Final Fantasy différents. C'est déjà pas mal. Ouais, mais c'est vraiment le 7 qui m'a marqué parce que c'est le premier auquel j'ai joué sur PlayStation et c'était une révolution en fait. Parce que j'avais déjà fait des RPG comme Zelda ou Secret of Mana, mais on n'était pas du tout là. Une fois que j'ai eu Final Fantasy qui était sur 3 CD, il me semble, c'était un univers totalement différent. Étendu, les histoires sont développées comme jamais. Et puis surtout, t'as des histoires dans les histoires. C'est-à-dire que ce jeu-là, tu pouvais rester 100 heures dessus et tu faisais peut-être pas tout. T'as évoqué Zelda. Ouais, j'ai évoqué Zelda. Pourquoi t'as fait ça ? Mais parce que Zelda, ça nous a marqué. Je sais que toi, t'es un grand fan de Zelda. Oui. Mais tu restes uniquement sur Link. Pratiquement, tu bien vois. Sûr. Alors que là, bon, je vais prendre le 7, tu restes pas que sur Cloud. Des moments, tu vas jouer avec Barrett. Des moments, tu vas jouer avec d'autres. Ouais, exactement. Donc, en fait, tu changes plein de trucs. Et t'as des mini-jeux de temps en temps. Et juste un truc pour te hyper. Parce que moi, c'est comme ça qu'on me l'a vendu. Parce que petit truc, je l'avais acheté avec mon l'argent de Noël. C'est qu'à un moment donné, t'es dans une. Je sais plus sur quelle planète t'es. Il y a une salle d'arcade. Mmh. Et en fait, donc t'es avec Cloud. Tu vas pour jouer à la salle d'arcade et en fait tu vas incarner Cloud qui joue dans le jeu. Donc c'est-à-dire t'as un truc de snowboard, t'as un jeu de... Et c'est quand même incroyable, c'est très Inception. Okay. Tu joues au jeu vidéo ou le mec joue au jeu vidéo. D'accord, ok. Et le set, il est fabuleux. Soso. Bah écoutez, moi Final Fantasy, pourquoi j'aime j'ai découvert ça avec le 8. Bon, moi je suis née en 91, donc le 7 j'étais peut-être un peu jeune. Et ouais. Pour ceux qui le savent pas, j'ai pas eu forcément beaucoup de consoles quand j'étais petite. J'ai eu juste une Dreamcast. Dommage, j'avais exclu PlayStation. Merci maman encore une fois. Dreamcast c'était bien quand même. Oui mais il y avait pas, c'était exclu Play. Ça l'a toujours été avec FF. Et le truc c'est que moi j'avais du coup mon meilleur ami d'enfance qui avait tous les jeux du monde. Ouais. Et il avait FF8. Et à un moment du coup il me montre et... Bon, c'est quasiment au début, mais je vois justement la fameuse rencontre. Dédicace-le. Du coup, elle s'appelle Lana maintenant. Oui, Lana, voilà. big up Lana, qui est le premier amour de Clark Kent. Tout dans à fait. Exact. La boucle est bouclée. Ouais, la boucle est bouclée. Et du coup, on tombe sur la scène de rencontre entre Squall et Linoa dans le 8, où il y a le fameux bal avec la musique de Ballon Garden. Et genre, j'étais en mode. Urgh! Et en fait, je suis rentrée dans un univers fabuleux. Après il y a eu le 10, alors c'est vrai que j'ai un peu squeezé le 9, forcément j'avais pas de console, donc je jouais à ceux qu'on pouvait me laisser la manette. Puis après il y a eu le 13, le 15, je pense que je suis à 190 heures de jeu dessus. Et c'est pas mal déjà. C'est déjà pas mal. Et puis le 16, le 7, le 7 remake et tout, donc c'est vraiment un univers extrêmement étendu. Et c'est tellement étendu que par exemple le 7, On a eu Crisis Core, donc on va développer là l'histoire de un personnage qui n'est même pas le personnage principal. On a Dirge of Cerberus qui parle de Vincent Valentine. En fait, il y a eu des films, il y a eu plein de choses. Pour le 15, il y a eu un animé. C'est un univers que j'aime et en plus à chaque fois c'est nouveau, c'est frais, il y a des OST de fou, Nobu Uematsu, mais incroyable. Enfin, vraiment c'est la meilleure licence. Et dernier petit truc avant qu'on change de terrain, c'est que j'ai beaucoup aimé aussi le crossover qu'il y a eu Disney Final Kingdom Fantasy, les trois Kingdom Hearts, chacun décidera de quel est le meilleur, c'est pas le débat, les trois Kingdom Hearts plus toutes tous les hors-séries et tout, mais c'était super bien mélangé. Donc, c'est très important. Aussi. Ouais. Attends, j'ai juste une petite anecdote à te raconter que tu vas apprécier, promis. Vas-y. C'est vrai que d'habitude, je les aime pas. Ils ont teasé le jeu au Japon, Final Fantasy, avant sa sortie. C'est-à-dire qu'ils ont mis un petit CD de démo en bundle avec un autre jeu. Lequel, Final Fantasy ? Le 7, pardon, le premier sur PlayStation. D'accord. Donc, le premier sur CD, c'était le jeu de l'année pour eux. Vraiment, ils l'ont mis en promo avec un jeu. C'était lequel, à ton avis ? Avec, je sais pas... Je sens qu'on est sur du Mickey's Mania ou un truc comme ça. Non, Tobal.
Tobal, oh là là, quelle honte. Ils mettent un chef-d'œuvre. Tobal avec le design de la jaquette fait par Toriyama. Donc oui, c'était un booster au Japon d'où. Oui, d'accord. Mais pour tous ceux qui ont joué à Tobal, ils savent qu'il vaut mieux prendre Tekken comme jeu de combat rapidement, Soso. Oui, rapidement. Juste une petite ref. Je pense qu'une ref très très deep. Je ne sais pas si des gens ont connu Dead Fantasy. Exactement. Dead Fantasy sur YouTube. C'était un mec qui avait fait un crossover entre Final Fantasy et Dead or Alive, qui sont mes deux licences préférées. Et il avait fait que des séries de combat qu'il avait animées tout seul. C'est très beau à regarder, Dead or Alive. Alors tapez Dead Fantasy sur YouTube, vous allez retomber dans du vintage, mais c'était incroyable. Dead or Alive, le jeu vidéo, on parle bien du... Oui, d'accord. C'est le meilleur jeu vidéo de combat. Je vous conseille, rapidement, et après on change, je vous conseille la vidéo de Karim Debbache sur Dead or Alive. Il parle du film et du jeu vidéo. Je vous l'enverrai en lien, parce qu'on a un petit groupe WhatsApp. Je vous l'enverrai en lien. Très bien. Fabuleuse. Voilà pour Final Fantasy. Vous pouvez jouer après Yata. Bah oui, quand même. Écoutez, d'abord Yata. Bien évidemment. Ma chère Soso, on va rester avec toi. Tu nous as promis quelque chose de grandiose, comme d'habitude, dans Uemitsu. Ah merde, c'est pas grandiose. Bah écoutez, c'est parti encore pour Uemitsu, toujours dans le good mood. Étant donné qu'aujourd'hui, c'est la sortie du tome 10 de Pour le pire, de Taro Nogisaka, que j'adore depuis le premier tome. Ouais. J'en ai parlé maintes et maintes fois. Et donc, je vous refais juste le pitch vite fait. On va suivre Arata Natsume, qui travaille à la protection de l'enfance, qui est assistant social, qui va un jour recevoir un coup de fil d'une maman, d'un petit garçon dont il s'est occupé, pour lui dire il y a un petit souci. Il arrive chez eux et donc c'est quelqu'un qui a quand même qui est un petit peu un petit yankee, un petit délinquant de base, donc il a des méthodes assez brusques, mais c'est quelqu'un qui est très très empathique au niveau des enfants. Et en fait, le petit garçon, faut savoir qu'il s'en est occupé parce que son père a été tué par une serial killeuse. Et en fait, ils n'arrivent pas à faire le deuil parce qu'elle a réparti les morceaux et ils n'ont jamais retrouvé la tête. Et il faut savoir que pour faire le deuil, c'est compliqué sans la tête. Ah ouais. Et du coup, ils se rendent compte, enfin, sa mère a découvert que le petit garçon échangeait des lettres avec cette serial killeuse en se faisant passer pour Arata. Sauf que le petit garçon, il a 10 ans. Donc, du coup, il va accepter de se rendre au parloir pour la voir et se faire passer pour vraiment le gars qui a écrit ses lettres. Et il va la rencontrer, sauf qu'il va tomber sur une jeune femme. Il avait juste vu des images dans les journaux avec une femme assez, assez laide, assez grosse, avec les dents horribles, le visage vraiment... Elle faisait très, très peur. On l'appelait le clown de Shinagawa. Donc, elle avait un peu de joker, quoi. Ouais. Et en fait, il voit une jeune fille qui a complètement perdu du poids. Elle est sublime, mais très bizarre. Mais du coup, au début, c'est un peu un huis clos. Et il va lui proposer de se marier avec elle pour justement avoir sa confiance et retrouver peut-être un jour la tête de ce papa. Elle n'a pas tué que lui, donc et on est sur du serial killer de fou. Serial sombre. Mais c'est très 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 bon. Pour le pire, c'est fini en 12 tomes au Japon, on est au 10e, donc c'est vraiment une série courte. Et du coup, je me suis dit que quoi de mieux que de parler du système carcéral au Japon. Et il y a de belles surprises. Très beau choix. Donc, dans Pour le pire, il y a pas mal de lois japonaises qui sont expliquées parce qu'elle est... alors, faut savoir que dans cette histoire, elle est... au moment des faits, elle est censée être mineure. D'accord. Et du coup, ils veulent la condamner à perpète, mais ils veulent quand même la condamner à mort. Donc, ils savent pas trop. Ils veulent être sûrs qu'à ce moment-là, elle était vraiment mineure ou pas. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'aspects du système carcéral et des lois au Japon qui sont abordés. Et du coup... je vous le dis tout de suite, faut pas faire le con au Japon, c'est pas le Club Med, pas de live Twitch cuisine ni de PlayStation exactement, ni de PlayStation en prison. Déjà, première chose à savoir, il faut la garde à vue au Japon, c'est jusqu'à 23 jours. Voilà. Ah oui, c'est beaucoup. T'as pas envie d'être attrapé. Non, ah, c'est pas les 48 heures. Ils ont le droit de vous garder même s'il y a pas d'accusation formelle ou de crime. Voilà, c'est pas genre on est sûr, on te garde. Non, on te garde parce qu'on pense que. Ouais. Tu vois. Donc, vraiment, faut. C'est pour ça qu'ils tiennent à carreau, les mecs. Ouais, vous allez voir la suite et vous allez comprendre pourquoi ils veulent pas y aller. Ils ont droit d'interroger sans avocat. Ok. Donc, ils ont le droit de te cuisiner. Il faut savoir que j'en avais parlé dans la fameuse affaire de Sayama, le petit lien avec Totoro, justement, avec le mec qui avait été accusé à tort. Justement, il avait fini par avouer. Parce qu'ils peuvent passer une vingtaine de jours à te forcer à dire les faits. Pour ceux qui connaissent la série Dans leur regard sur Netflix, sur l'histoire vraie des quatre garçons, ça a été exactement la même chose. Ils ont forcé à ce qu'ils disent oui, parce qu'une bonne affaire, c'est une affaire réglée rapidement, bien évidemment. Il faut savoir qu'en rapport avec pour le pire, elle est...
quasiment condamnés à mort ou à perpétuité. Donc il faut savoir qu'ils sont placés systématiquement en isolement lors d'une condamnation à mort. Et ils n'ont pas le droit de marcher dans leur cellule. Ils n'ont pas le droit, ils doivent rester assis. Ils n'ont pas le droit de détourner le regard. Ils n'ont pas le droit de faire du bruit. Leur cellule fait 5 mètres carrés. Ils ont un bureau et un tatami. Enfin, la place pour 4 tatamis. Ils ont très peu de lumière qui passe parce que c'est une toute petite fenêtre comme les cellules d'isolement. Ouais. Et la lumière, la nuit, n'est pas complètement éteinte. En fait, c'est quelqu'un qui gère la lumière. Ah, donc, ouais. Ils ne sont jamais dans le noir complet. Alors, tant mieux qu'ils ne soient pas dans le noir complet parce que je pense que tu dois devenir un petit peu taré. Sans pouvoir dormir dans le noir, je pense que tu vires aussi taré. Ouais, c'est clair. Mais du coup, ils sont constamment surveillés avec des caméras. Donc, et pas ils de ont... margarine. Arrête avec la margarine. Il n'y a pas la margarine. C'est une private joke, on ne fait pas. Okay. N'en parlons plus. Ils ont droit de parler à personne. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent, au niveau des condamnations à mort, de violences physiques, mais surtout psychologiques et psychiques. En fait, ils se détériorent au niveau de leur santé, mais surtout mentale. Ils sont, alors pour les condamnés à mort, ils ont droit à 3 douches par semaine. En été, le reste de l'année, c'est 2. Faut pas abuser non plus. Et en 15 minutes, temps total, déshabillage, douche et réhabillage. Ok. Voilà. Ils ont droit de faire l'exercice 2 à 3 fois par semaine dans 10 mètres carrés de surface. Tu peux rien faire dans 10 mètres carrés de surface. Écoute, tu feras des pompes, tu vas faire la scène de 50 Cent dans le début du clip. Oui, ils sont souvent pieds nus ou en chaussons, donc pas de chaussures. Exactement, sauf que Kirikou il est libre. Oui, c'est vrai. Il est vaillant. Pardon. Ils ont droit de recevoir des visites en journée de la famille ou des avocats, enfin de l'avocat, 20 minutes dans une pièce surveillée une fois par semaine, dans une grande pièce. Pourquoi ils font ça ? Attention, c'est pas fini. Ils ont pas droit. Ils ont pas la télévision. La radio, c'est pas eux qui la choisissent. Si le garde il te voit un peu de mauvais œil, il peut te mettre une radio ignoble. Ils ont droit à 3 livres quand même autorisés. Ils ont droit aux lettres autorisées. Ils ont droit un nombre illimité de réceptions de lettres, par contre. Et ils ont droit d'en envoyer une par jour de 7 pages maximum. Par contre, les lettres, ça va, t'as le droit d'écrire. Et ça, tu vois, pour le pire, on le voit parce qu'elle reçoit, du coup, elle échange avec ce petit garçon et elle a pas mal de lettres dans sa cellule. Tu la vois, elle regarde des lettres et tout. Et c'est la seule chose, de toute façon, qu'elle peut faire. Donc, la majorité, il faut savoir que c'est à 20 ans au Japon, donc c'est pas du tout comme chez nous. Et par contre, pour la première fois de l'histoire au Japon, en 2010, il y a un garçon de 19 ans qui a été condamné à mort. Donc, parce qu'il y a eu 2 meurtres, un enlèvement et blessure. Donc, 4 personnes en tout. Ah, il a tué des gens aussi. Oui, voilà, il a tué 2 personnes, mais ils n'ont pas attendu qu'il soit majeur. Et pourtant, il était mineur au moment des faits. Ah oui, ils l'ont tué, il était mineur. Ah, d'accord. Il était mineur au moment des faits, donc il a été condamné à mort. Alors, par contre, après, c'est pas dit qu'il va être tué tout de suite. Ça. Là, il est mort ou pas ? Justement, petit fun fact, toujours dans le good mood. Un condamné à mort attend depuis 1977. Ah oui, il est toujours dans le couloir de la mort depuis 77. Le mec, hein. D'ailleurs, beaucoup des condamnés sont vieux, environ dans les 70 ans, parce que des fois ils mettent du temps à procéder au truc. Mais faut savoir que s'il est exécuté demain, il le saura que demain matin. Ah oui, d'accord. Et sa famille et l'avocat ne le sauront qu'une fois que c'est fait. Ah, ils peuvent pas assister au... Non, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une petite histoire. Donc, c'est la mère d'un certain Kimura qui, en 1995, va se pointer pour voir son fils. Et on lui dit le matin, non, là, c'est pas possible, revenez un peu plus tard. Donc, elle revient à midi et là, il lui demande, vous voulez récupérer le corps ou pas ? Et en fait, ils n'ont jamais dit que c'était ce jour-là. Ils ne le disent pas. C'est que les médias qui le disent, ou justement, si tu te... Triste. Ouais, c'est extrêmement triste. Il faut savoir que du coup, il y a beaucoup de condamnés à mort qui sont déshérités ou abandonnés par leur famille, parce que déjà, il y a le principe de honte au Japon. Ouais. Et il y a aussi ce stress, qui est cette peur, justement, d'apprendre une fois que c'est fait. Ils ne veulent pas vivre ça, quoi. Donc, il y a beaucoup ça qui se passe au Japon au niveau des détenus. Le Japon reste apparemment favorable à environ 85% pour la peine de mort. Argument principal, j'ai pas envie de payer avec mes impôts la perpétuité d'un criminel. Ça s'entend. Et il faut savoir que c'est compliqué d'être libéré ou de prouver son innocence, surtout de faire réouvrir le dossier. Pourquoi ? En fait, une affaire classée rapidement, déjà, je vous l'ai dit, c'est mieux. Mais surtout qu'ils vont utiliser toutes les preuves qu'ils ont. Donc, le seul moyen de faire réouvrir l'enquête et de pouvoir faire valoir peut-être sa présomption d'innocence, c'est de trouver une autre preuve, sachant qu'ils ont absolument tout trouvé. Du coup, en fait, t'es foutu, quoi. Okay. Donc, ils n'ont pas très envie de faire ce genre de choses parce que ça fait tâche de réouvrir et de se dire, ah, il était innocent. Et c'est pas souvent que ça se passe. Ouais. Et pour finir,
Je vais quand même vous donner quelques lois absurdes pour ne pas se faire pécho bêtement. Il est illégal d'endommager un drapeau étranger au Japon, mais par contre le drapeau du Japon c'est ok. Okay. Faut savoir que ça si ça me paraît étrange. C'est l'inverse. Le drapeau du Japon c'est ok, mais endommager le drapeau d'un drapeau étranger, c'est jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Et sachant que c'est pas le Club Med, t'as pas envie d'y aller quoi. Ouais. Faut pas parler au chauffeur de bus pendant qu'il conduit. Ça, ah c'est oui, une infraction, ça, c'est vrai. Très, très ah ouais important. Oui, faut pas interrompre un serment pendant un enterrement. Ça c'est très grave. Ça c'est normal, c'est mal élevé. Mais les mariages ok. Ah bon? Oui. La mendicité est illégale. Illégale, ouais. Complètement illégale. Et ouvrir une lettre qui est pour un membre de ta famille, que ce soit une lettre ou une facture, bah c'est jusqu'à un an de prison. Un an de prison. T'as ouvert la lettre de ta sœur au ton daron. Oh, ça là peut. Là. S'il a une dent contre toi, ça peut très mal se faire. Tu peux envoyer ton daron en tôle. S'il a ouvert. Arrive-le. Ouais, calme-toi. Calme-toi. Florie Mérangis, calme-toi. Et du coup, pour terminer, je vous ferai quand même une petite reco. C'est Kujo l'Implacable. Et ça va faire un petit lien avec justement nos mangas sous côté. Ouais. Donc, c'est de Manabe Shohei. C'est l'auteur de Ushijima. Donc, encore un petit lien. Qui traite d'un avocat qui en a rien à faire. Lui, il doit juste gagner son procès. Peu importe le client, ça dégoûte, mais il est très malin. Et ça montre les failles des lois. La loi et la morale sont deux choses bien différentes. Et surtout dans son métier, c'est ne pas du tout mélanger. C'est disponible chez Kana et c'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois qu'il est sorti l'année dernière, le tome 1. Donc je vous recommande si vous aimez les histoires sombres. Et si t'aimes bien les avocats qui s'en foutent, ils défendent peu importe qui c'est, je conseille L'Associé du Diable. Avec Keanu Reeves. Exactement. C'est bien ce film, ça à l'ancienne, c'est très 1900. Le spin-off de Breaking Bad. C'est pas un peu. Donc oui, Better Call Saul, oui, Better bien Call sûr. Soul, ouais. Better Call Saul. Et ben merci ma chère Soso. Toujours good. C'était incroyable, toujours plein de joie. Tu sais oui. Que ça pourrait être pire, ça pourrait être la Chine. En Chine, ils t'envoient la facture des balles qui ont été tirées pour tuer ton enfant. Ah mais écoute, ouh, à partir du moment où j'ai vu qu'il y avait une loi hongkongaise comme quoi t'avais droit de tuer ton mari si c'était avec autre chose qu'une arme, c'est bon. Si t'as trompé. Voilà. Mais avec quoi tu le tues alors? Alors attendez. Juste, on va arrêter sur les meurtres. Okay, ouais, voilà, c'est sympa, mais on va plutôt rester sur un truc un peu plus gay. Quand même là pour faire rire la France, enfin rire la France entière, peut-être pas. Pour divertir. Oh bien, Basile. C'est quoi? Vas-y, si tu peux nous renvoyer. Yata. Voilà. Enregistrez-le chez vous. C'est Soso qui dit Yata. Du coup, alors c'est pas vraiment un secret. Yata, comme vous le savez, est une émission dédiée au manga. Et on va prendre un peu de temps pour parler de manga ou animé hein, qu'on aime particulièrement et qui, selon nous, ne sont pas assez mis en valeur. Voilà. Mon cher Div, j'ai envie de commencer avec toi. Mm-hmm. Déjà parce que tu portes un pot de pêche comme si on était en 1999. Bien velours. Toi, est-ce que t'as un animé ou un manga que tu dis là, les mecs, vous le regardez pas assez, vous le lisez pas assez, ça c'est super bien. Bah, dernièrement, je suis tombé par hasard sur les conseils de Face. Ah, donc c'est jamais par hasard. Ok, à 2h30 du matin, il me dit ouais, regarde ça. Moi, je sens que ça sent la bagarre. Ouais, il me dit regarde ça, et puis je clique sur Prime Video, et je tombe sur Ninja Kamui. Oui. Donc il y a Joe Higan, c'est un genre de ninja qui veut plus être ninja. Il veut plus. Ouais, il en a marre. Il fonde sa famille, il a sa go, son gosse, et puis il a fait un bail sur son visage, c'est plus son visage. Donc en vrai, ils sont en total camouflage dans une province dans le sud de la France, on va dire, et puis ils sont au calme. Et apparemment, son ancienne association de ninja meurtriers le traque jusqu'au jour où il le trouve. Et quand ils le trouvent, ils font du sale. Et c'est du très sale. Et donc sa femme et son fils sont assassinés salement. Et lui, il réussit à survivre. Et il se réveille avec une envie de vengeance atroce. Donc on sent un peu du John Wick dedans, tu vois. L'animation est bad hypante. Ça se chicote full up. Il y a des en fait, tu sais, nous on a regardé Naruto et c'est ça notre image du ninja. Ils ont un peu modifié le truc, tu vois. Et là on revient aux origines du vrai ninja. Shogun. Tu vois ce que je veux dire. Et ça déchire sa race. Donc en vrai, il y a quoi? Tu insinues qu'il n'y a pas de loi du pardon, quoi.
Ah non, là, il n'y a pas de pain, quand tu dis, ouais, ou bien Neji qui meurt, on s'en fout. Ouais. Là, c'est... Laisse Neji tranquille. C'est vrai qu'il y a une balle perdue pour Neji. Ouais, et, il y a eu un bâton même perdu. Et en fait, c'est énervé de ouf. C'est énervé de ouf dans l'animation et... tu sens à travers les dessins comment on a tué ça. En plus, le fils, tu t'attaches à sa petite famille sur le premier épisode, tu vois. Et là, en fait, tu veux l'accompagner dans cette vengeance. Et en vrai, l'animation est tellement deep. Je vois même dans l'épisode 2 où le Boog est déguisé en Uber Eats là. Mmh. Il vient pour livrer un burger. Et puis C'est dommage qu'à la radio ils ne voient pas les. Ils peuvent pas voir ce que tu es en train de faire avec tes mains. Il vient juste pour livrer un burger et d'un seul coup, en fait, non, je suis un ninja. Et puis il essaie de le dead, tu vois. Ouais. Et le combat dans le restaurant, il est incroyable. Mmh. Et je comprends pas pourquoi personne n'en parle. Je sais pas. Tu vois, ça date de 2004 aussi, je crois. C'est là! C'est l'animé, je parle. C'est 2024, c'est nouveau. C'est 2024. C'est sur Amazon Prime. C'est le problème, il est là. Amazon Prime, les animés, ils sont cachés. Mmh. Déjà, ils sont en troisième scroll pour que tu vois tes recommandations. Le compte Twitter, il est inexistant. Et puis l'interface d'Amazon Prime, elle est éclatée. En tout cas, sachez-le, là, ceux qui écoutent en ce moment, là, Ninja Kamui, c'est important, soyez les précurseurs, regardez avant tout le monde comme ça. C'est important, mais tu dois payer sur Amazon Prime pour le voir. Ah, mais je suis partie voir en fait, parce que je voulais voir ce que c'était, j'ai cru lire 2004, je vais juste changer de lunettes. Je m'excuse. Ah oui, 2024, oui, c'est ça. Okay. Quand tu dis que ça remet le côté sombre et violent des ninjas, pour tous les vieux qui ont connu l'époque où on se faisait dober dessus quand on était fan de manga et d'animé, dans la bande-annonce de manga vidéo, il y avait des scènes de Ninja Scroll qui étaient un truc de ninja d'une violence incroyable. Il y avait des litres de sang. Mm-hmm. Et ça m'a rappelé un petit peu ça de ce moment. Parce que oui, l'origine, avant qu'on commence à regarder Naruto, c'était le ninja sombre qui envoie la fumée, qui envoie les étoiles de ninja et tout ça. Mais juste entre parenthèses. C'était pas un ninja en orange. Non. Tu vois. Mais juste un truc, c'est que moi, ce qui m'a fait adhérer à Naruto, c'était le truc ninja parce que sur. À l'époque, Game Gear, enfin apparemment on dit Game Gear, mais moi quand j'étais jeune, c'était, Game, c'était Gear. Game Gear. Non, on a toujours dit Game Gear. Non, on a toujours dit Game Gear chez moi. Ok. Bon. Bref, il y avait le mort. Oui, à Sergi on disait ça. Ok. Il y avait Shinobi. Ouais. Donc Shinobi, le jeu de Ninja. Oui, je m'en rappelle. Ouais. Et c'était super bien. Ouais. Et donc moi, quand on me vend un manga de ninja donc pour Naruto, je dis ok, bah c'est parti. Et c'était super bien aussi. Mais en réalité, dans Naruto, quel est le ninja qui ressemble le plus à un vrai ninja comme nous on l'a connu? Bah c'est Orochimaru. C'est Kakashi, parce qu'il est masqué. Non, c'est celui qui est avec Kidan, comment il s'appelle déjà? Kankuru. Non, celui qui est avec Kakuzu? Kidan. Kakuzu. Ouais, c'est lui exactement. Pour moi le vrai ninja, masqué comme dans Shinobi. Ouais. En vrai, pour moi, les vrais ninjas, c'est plutôt les personnages tertiaires, genre la racine. Parce que tu les vois toujours en train, dans l'ombre, en train avec d'attaquer. Des masques. Oui, et ils sont complètement cachés. Après, c'est à l'origine, il y avait deux écoles de ninjas complètement différentes. Hein. Selon que tu étais côté ouest ou côté est. Et t'avais. Mais vraiment. Et t'avais ceux qui étaient plus dans l'espionnage et ceux qui étaient plus dans l'assassinat. D'accord. Et d'ailleurs, aujourd'hui, t'as encore. Parc d'attractions dans les deux villes. Non, mais dans les deux villes où tu peux te déguiser en ninja, ils ont gardé ça donc pour mettre un petit peu le folklore et tu vois vraiment la manière dont l'histoire est racontée parce que t'as un côté qui a gagné au moment de l'unification du Japon et donc c'est eux qui ont le bon rôle et les autres c'était les ninjas de la classe. Ceux qui ont le bon rôle, tu veux dire ceux qui espionnaient. Ceux qui espionnaient, qui n'étaient pas des assassins sales, parce que c'était plus noble. Mm. Bah oui, tu pas. En tout cas, Ninja Kamui, côté John Wick à la ninja, qui déchire sa race. Voilà. Je pense qu'on pourrait sous-titrer comme ça et serait plus vendeur pour Amazon Prime. Ninja Kamui, ça déchire sa race. Qui déchire fortement, voilà. Okay. Validé par le Book Diff. Book Diff, 20 mars 2024. Ok, ça marche. Ninja Kamui, regardez, c'est important. Sur Amazon Prime. Prime Video, yeah. Mon cher Valentin. Ouais, alors j'ai hésité. J'ai fait une liste, en fait j'en ai 25 à recommander. Je vais commencer par celui où je vais pas déborder pendant... Voilà. Donc lisez Mitsuru Adachi et maintenant je peux passer à celui que je vais recommander aujourd'hui. Moi c'est Princesse Puncheuse chez Kana aussi,
qui est un titre hyper, hyper marrant. Donc, on a eu toute cette mode des isekai qui nous renvoie à une Europe médiévale. Et donc là, on est dans l'Europe. C'est absolument pas un isekai. On est dans une Europe médiévale. Donc, on a une belle princesse qui est fille de duc et donc qui doit être fiancée à quelqu'un. Et elle est vraiment super belle. Hein. Et elle arrive dans un bal et elle voit un gros noble corrompu, mais vraiment crasseux, sale. C'est enfin, physiquement antipathique. Qui exploite des esclaves alors que c'est interdit, le mec sale dans tous les sens du terme, et elle qu'on imagine être une fille de duc, donc de pouvoir rien dire d'autre que bonjour, vous voulez une coupe de champagne, elle lui met une grosse patate. C'est pas sympa ça. C'est 100% mérité. C'est 100% mérité. Et d'ailleurs, à ce moment-là, elle lui met la patate, il vole, c'est un peu marrant, tu vois, il s'enfonce dans le mur, c'est même très rigolo. Et en fait, il va y avoir ce côté complètement jouissif et inattendu parce qu'elle est absolument hyper féminine sur tous les plans. Tu le vois pas venir cette première fois. Et après, derrière, t'as pas que ce gimmick. Parce que c'est une histoire de fantasy très, très rigolote qui va t'expliquer pourquoi, d'où vient la corruption. Ouais. Donc il y a un questionnement, est-ce que le pouvoir corrompt et pourquoi il corrompt? Et derrière, il y a autre chose de comment aller au-delà de juste le côté punir par la violence, ça sert à rien parce que ça va se répéter. Mmh. Et comment on fait pour régler les problèmes à la source. On en revient dans Naruto, casser le cercle de la haine. Ouais, c'est très Nelson. Voilà. Voilà, c'est Soso qui a fait l'émission, quoi. Mais il y a quand même ce côté très rigolo. C'est presque Okuto no Ken qui rencontre Princesse Sarah. Oh, enfin, franchement, parce qu'elle arrive comme ça, tu la vois pas venir. Est-ce qu'on peut s'arrêter deux minutes sur cette fusion-là? Le crossover est... Donc on est dans un monde post-apocalyptique avec des mecs qui se font exploser la cervelle. Et à côté, une meuf qui est maltraitée par une directrice d'orphelinat. À un moment, elle sort aussi la technique du « je te mets des coups pour ouvrir ton gros ventre pour après pouvoir atteindre tes organes », tu vois. Ah oui. Et ça, c'est fort, quoi. En plus, tu sais quand même, violent. Ce genre de binôme, genre bisounours. On connaît. Oui. Ouais. Tu vois, et moi, j'aime les mangas qui exploitent un gap comme ça et qui nous font passer un bon moment. Et c'est très trippant. C'est en combien de tomes? Alors, c'est pas fini. Ah, bah, très bien. Donc, pour l'instant, il y a 3 tomes dispo. Et c'est tout. Okay, merci. Okay. Il en a eu 25 à la base. J'ai 25 séries à vous recommander. On pourra peut-être revenir sur toi après Soso et après moi. T-shirt, c'est Mitsuru Adachi. Donc tu reconnais son style. Hein. Donc t'as Minami et Tatsuya qui se regardent en croisée, les héros de Touch. Mais ils se regardent pas parce qu'ils sont pas au même niveau. Tu le fatigué, vois pas. Fatigué, là, pas content. Ouais. On appelle ça la mise en scène. Ah d'accord, putain, c'est incroyable tout ça. Soso. Oui, bah. Pardon. Dès qu'on va dire Soso, il y aura Yata. Attends, on va voir. Soso Yata. Franchement, on reste moi, j'adore. Petit, j'aime beaucoup. Du coup, je vous ai fait le lien avec Pour le Pire. Je suis arrivée directement sur Coup de Joule Implacable de Shoei Manabe. Et forcément, je vais vous parler du titre, on va dire le plus connu de Shoei Manabe, qui est sorti en 2004, qui s'appelle Ushijima. Mm-hmm. Et Ushijima, pour rester... Alors vraiment, attendez, la face, oui. Là, dans mon oreille, voilà. Il a fait lourd. L'usurier de l'ombre. Il l'a fait avec une voix de maçon fatigué. J'hésitais, je me demandais est-ce que Shahid était arrivé. Oui, c'est vrai. C'était un baryton là. Donc du coup, Ushijima, c'est, on va dire que c'est vraiment le manga sous-côté par excellence parce que en même temps, c'est pas tout public. C'est un manga, ça reste du bon seinen, c'est pas pour tout le monde. Faut avoir le cœur bien accroché. Alors faut savoir que c'est donc de Shoei Manabe. Pour la petite histoire, avant de vous faire le pitch. Toutes les histoires qui sont dedans sont des histoires vraies. Ce sont des histoires qu'il a déjà entendues, puisque c'est Shahid qui nous avait dit, puisqu'il l'avait déjà rencontré, interviewé. Donc Shahid, le grand pop du manga en France. Exactement. Il lui a raconté, en gros, qu'il avait rencontré pas mal de Yakuza, pas mal de gens, justement, dans le quartier de l'ombre, à Tokyo, et qui lui a raconté tous ces trucs-là. Alors, il faut savoir que Ushijima, ça parle de Ushijima, justement, qui est l'usurier de l'ombre. Donc, c'est quelqu'un qui a...
qui a une petite entreprise de prêt. Vous savez, le moment où votre banque vous dit non, je te prête plus, ça fait trop longtemps. Bah, lui, il dit bah, moi, je te prête, il n'y a pas de problème. Le prêteur sur gage. Exactement, sauf que les taux sont juste faramineux. Le but, en vrai, on le sait, c'est que tu puisses jamais rembourser. Et justement, qu'il puisse se ramasser un maximum d'argent. Et en fait, le manga va être construit avec justement plusieurs histoires. Alors, il y a quand même un fil rouge avec Ushijima et tout ce qui lui arrive aussi à côté. Parce qu'imaginez bien que quelqu'un qui traite avec les Yakuza et qui met pas mal de monde dans un état catastrophique, va forcément avoir des petits soucis, mais ça reste quand même une figure vraiment extrêmement... Et tu le vois, il est dessiné, on dirait il fait 2 mètres, on dirait un ours, vraiment, on dirait Kuma dans Crow Zero. Genre, tu le vois, tu dis... Ou dans Tekken. Alors, je préfère celui de Crow Zero pour le coup, parce que Kuma, il a des petits bras, tu vois. Vous voyez pas, on dirait un T-Rex. Ouais. Mais du coup, vous avez des histoires, par exemple, dans le premier tome, il y en a une qui m'a vraiment choquée. Dès le premier tome, ça commence très, 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 très mal. C'est une femme qui va venir le voir et qui lui dit « Écoutez, j'aimerais beaucoup que vous me prêtiez de l'argent parce qu'il me faut des nouveaux vêtements et surtout le dernier sac à la mode. » Il faut savoir que c'est une secrétaire dans une grande tour, un bureau. Et toutes ses collègues, elles ont plein de trucs de luxe et tout. Et pour suivre, pour rester dans la tendance, pour pouvoir peut-être même avoir un bon parti un jour, bah, faut qu'elle achète des trucs comme elle, sinon elle est ringarde, tu comprends. Et en fait, elle va s'endetter comme ça, parce qu'elle n'arrive jamais à lui rendre, et elle revient et fait « Non, mais je te réemprunte encore, et t'inquiète, je te rembourserai dans une semaine, parce qu'il faut savoir que les taux sont à 50% au bout de 10 jours. » Donc, oh, la vache. Donc t'as vraiment intérêt à emprunter et à rendre tout de suite ce qui n'arrive jamais. Et en fait, tu vas voir la déchéance de cette femme qui va passer de... Bon, t'arrives pas à me rembourser, écoute, moi j'ai trouvé un moyen que tu puisses me rembourser rapidement et avoir de la thune rapidement. Donc elle va commencer à se prostituer. Ouais, bah c'est les soplandes, hein. Donc ça va, c'est très très lugubre jusqu'à arriver dans justement ces soplandes, se prostituer pour avoir de la thune. Sauf qu'elle a ses collègues qui lui proposent de la drogue pour que ça aille mieux dans sa vie. Et en fait, elle va jamais finir la solution. Littéralement en gros scammer dans les rues de Tokyo. Et c'est des trucs, il n'y a pas de happy end, mais c'est tellement le milieu sombre de Tokyo, c'est tellement bien expliqué, il y a tellement pas c'est pas enjolivé, rien du tout. C'est extrêmement prenant si vous aimez les histoires de Yakuza, si vous aimez les histoires sombres, si vous avez aimé tout ce qui est réaliste. Vraiment, Ushijima, c'est une œuvre assez ouf, c'est beau, c'est bien dessiné et c'est hyper prenant et c'est un manga pour les adultes, bien évidemment. Et c'est 46 tomes. Ah oui! C'est extrêmement long, mais c'est extrêmement prenant. Oui. Et on adore ça. Mais voilà, Ushijima, c'est une œuvre sous-cotée. Il faut savoir qu'il y avait eu en plus l'année dernière une offre promo où vous demandiez à votre libraire, vous avez droit au tome 1 gratuit. Ah ouais? Et vous aviez, ouais, en plus à la fin du tome 1, je crois le premier chapitre de Kujo, qui est du même auteur du coup. Kujo l'implacable, donc il reste dans un délire très sombre avec Kujo. Et je sais pas si l'offre marche encore, si peut-être ils ont encore quelques tomes de leur côté au niveau des libraires. Donc demandez, mais en tout cas, lancez-vous dans le premier tome. Ça marche. Avant Justement. Tu lèves le doigt. Excuse-moi. Très bien. Ouais. Oui, sur Isneo, le premier chapitre est disponible. Gratos. Donc vous pouvez tester le premier chapitre ça, directement sur Isneo. Voilà. Bah, Isneo, c'est bien. Hein. Ouais. Oui, il y a plein de trucs dessus. C'est assez chic. J'ai lu Innocent dessus, c'est incroyable. Mm-hmm. Très très bien. Avant qu'on refasse un tour, je vais vous parler d'un que j'avais légèrement évoqué. Je sais plus quand, il y a 3-4 semaines, mais j'avais pas le temps de vraiment m'étendre dessus. C'est Undead Unlock de Totsuka Yoshifumi, donc qui est dispo chez Kana. Yoshifumi? Oui, exactement. Pardon. On est vraiment. On rigole dans cette émission, c'est fabuleux. Alors le pitch de départ, c'est qu'on suit Andy, qui est un homme qui ne peut pas mourir. Et peu importe ce que tu lui fais, tu lui coupes la tête, tu lui crèves le cœur, tu fais ce que tu veux, il ne peut pas mourir. Et pourtant, son seul vœu, lui, c'est de mourir. Comme Gabi Maru, un peu, non? C'est pas la même histoire. C'est pas vraiment pareil. Et un jour, il tombe sur une fille, Fuko, qui, elle, elle souhaite mourir aussi, elle souhaite se suicider parce qu'elle est atteinte d'une malédiction. Dès qu'on la touche, dès qu'on lui touche sa peau, la personne qui lui touche sa peau, il va lui tomber quelque chose dessus. De selon comment elle a été touchée, mortelle ou pas mortelle. Tomber de haut ou... C'est-à-dire que... tomber de haut, c'est-à-dire un truc tout bête. Par exemple, tu lui prends la main alors qu'elle veut pas, tu peux avoir un astéroïde qui te tombe dessus. Ah, ou une crotte de pigeon. C'est un peu malicieux en pire, quoi. Crotte de pigeon, non, c'est vraiment un truc qui te fait souffrir. Ok. Voilà.
à la tire une malédiction, exactement. Et en fait, lui, il la rencontre, il la sauve, et il voit en elle la façon de... Ça peut, peut-être sa porte, de, entre guillemets, de sortie, c'est la, peut-être la personne qui va lui permettre de mourir. Donc il essaye tout un tas de trucs, bon, il se trouve qu'il meurt pas, et au début, on pense que le manga... Bah oui. Et au début, on se pense que le manga va tourner que là-dessus, et on se dit, ok, ça va vite être chiant. Mais non, parce qu'ils se font très vite repérer par une agence un peu spéciale qui s'appelle l'Union, et c'est une agence remplie avec que des gens, 10 personnes qui ont tous des facultés un peu spéciales, et qui sont chargés, on va s'en rendre compte, de protéger le monde. Leur professeur Xavier. Bah, j'allais dire la même chose. Alors, c'est plus une table ronde. Ouais, c'est plus une grande table. Il y a quand même une chef avec Juiz. Je sais pas si on dit Juiz ou Giz. En tout cas, il y a quand même une chef, mais... Ouais, titre. Mais il y a une table ronde comme ça. Et en fait, on se rend compte que va y avoir une sous-histoire qui va se mettre en place au fil, au fur et à mesure de l'histoire. C'est que, un, bah déjà, ils vont devoir sauver le monde par rapport à certains trucs que je peux pas vous dire. Ils doivent réussir certaines missions, sinon, c'est la fin du monde. Et de deux, on se rend compte que Andy, donc celui qui peut pas mourir, il a une double personnalité. Ce que je vous ai pas dit au début, volontairement, c'est qu'il a une sorte de puce qui est implantée dans le crâne, qui ressort un petit peu, et si tu enlèves cette puce-là, il a son, on va dire, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, il a son Mr. Hyde qui ressort, qui est une sorte de, alors entre guillemets, grand général de guerre, je vous dis ça entre guillemets, qui est imbattable, c'est-à-dire qui peut tuer tout le monde et qui est très méchant. Et donc, on en est là où, alors je vais pas tout vous spoiler, mais on se demande, est-ce que Andy va vriller complètement et va tuer tout le monde ? Est-ce que la Terre va exploser ? Et surtout, est-ce que ce Andy qui ne peut pas mourir, qui est pourtant rempli de joie de vivre malgré le fait qu'il veuille décéder, est-ce qu'il va réussir à changer d'état d'esprit et rester, on va dire, dans le monde des vivants ? Par une histoire d'amour qui semble un petit peu évidente, qui se met en route petit à petit avec Foucault. Bref, je trouve que ce manga... Foucault. Bien, très belle vanne. Bref, je trouve que ce manga est plein de paradoxes. Ce manga est plein de sous-histoires qui sont assez prenantes. Il y a quand même de la vanne. Div, c'est pour toi, il y a de la nudité certaines fois. Ah bon ? Oui, c'est dispo chez Kana, il est toujours en cours. Pour l'instant, il y a 14 tomes ou 15 tomes, je sais plus, qui sont dispo. L'animé, il y a une saison qui est dispo sur Disney+. L'opening est incroyable. L'opening est incroyable. Et franchement, je vous conseille de lire ou de regarder l'animé parce que c'est vraiment cool. Et l'animation est pas mal, c'est pas extraordinaire. Mais c'est plutôt cool. Ouais, Disney Plus. Ouais, sur Disney Plus, okay. Les 11 premiers épisodes. D'accord. Ouais, ouais. Et voilà, je voulais parler de Deep Tree, mais on va refaire un tour et on en parlera après. T'avais quelque chose à proposer, Diff, ou pas ? Ou je passe à Val ? Vas-y, Valentin. Vas-y, Valentin. Du coup, ma seconde recommandation, c'est Sound of Life, ouais. chez Akata. Et ça tombe bien, en avril, les premiers tomes seront dans les 48 heures BD, donc à 3€. Donc vous pourrez les acheter pour pas cher si j'arrive à vous donner envie. Est-ce que vous avez lu Rookies ? Non, mais j'ai vu les films. Ah, donc non, c'est pas le même... Ouais, c'est... je sais, mais c'était pour faire une vanne. Alors, on a un club, on est dans un lycée, on a un club qui n'a plus qu'un seul membre parce que tous les élèves de troisième année, en fin de troisième année, tu prépares les examens, donc t'arrêtes d'aller au club. Mmh. Et il n'a plus qu'un seul membre qui essaye de recruter parce que sinon, à la fin du semestre en cours, on ferme le club pour libérer la place pour quelqu'un qui aura un vrai usage et pas juste une personne. Ça fait un peu club... le début de Jujutsu Kaisen. C'est un trope assez classique parce qu'on est sur des cycles de 3 ou 4 ans et donc à chaque fois, il faut changer, faut renouveler les membres. Et c'est un club de koto. Le koto, c'est un instrument de musique chinois et japonais. Pensez que c'est une... je vais faire vraiment très simple et très sale, ne m'en voulez pas. C'est une harpe allongée. Voilà, ouais, vous imaginez vraiment, c'est très grand, c'est super classe. Est-ce que c'est Kono Oto Tomare ? Oui. Ouais, ok, d'accord, c'est ouais. Bon. Il faut utiliser le titre anglais oui, qui est Sound of Life. Okay. Comment t'as trouvé vite comme ça ? Bah, par le côté. Elle doit connaître, ouais. Ça joue beaucoup, ça, généralement. J'ai regardé l'animé. Ouais. L'autrice est une joueuse professionnelle de koto. Sa mère et sa sœur sont des professionnels de koto. Okay, elle maîtrise vraiment son sujet. Et donc, mais vraiment, la musique, c'est une excuse pour amener cette problématique de il va recruter. Et donc, le premier qui accepte de venir dans ce club, c'est le voyou, le super voyou du bahut. Donc, tout le monde se dit, ouais, il est en blond, c'est un bad guy. Bon,
toute façon, j'ose pas lui dire non, parce que sinon, il va me casser la gueule. Mais il est là, il est en mode, il tremble. Sauf qu'en fait, ce voyou est absolument pas un voyou. Hein, comme le dit l'expression asiatique, la plume ne fait pas le moineau. Et ben, voilà. Ne jugez pas un livre sur sa couverture. L'habit ne fait pas le moine. Exactement. En fait, il est super adorable et son grand-père fabrique des coteaux. Mm. Donc, il a un lien avec le coteau. Il veut se rapprocher de son grand-père. Et c'est là où tu vois le travail sur la rédemption, tu vois le travail sur le jugement. Tu as aussi une autre élève qui, elle, est un prodige. Donc, l'opposé, qui est la meilleure joueuse de coteau de tout le département, voire de toute la région, qui est élue d'une grande famille de joueuses, qui a une pression. Incroyable et qui s'est dit, je vais aller dans ce petit lycée, comme ça, on me fera un peu moins chier, qui finalement rejoint le club de coteau aussi. Donc, tu vois, qui va aller tiré par le haut ça devient, c'est vraiment très très fort. On a plein de personnages hyper intéressants en termes de dessin, c'est juste magnifique. C'est très très long, ça sera la plus longue série de chez Akata parce qu'il y a plus de 30 tomes, c'est terminé au Japon. Mais c'est top, franchement c'est vraiment passionnant. Il y a de la romance, il y a de l'action, il y a surtout de l'émotion. En fait, chaque tome, chaque chapitre, on est empli d'émotions et on a envie de voir plus ces personnages. Ils font leur premier concert public dans le supermarché. C'est incroyable. Ouais. C'est une scène qu'on n'imagine pas. Bon, on pourrait imaginer aux États-Unis ou autre, c'est dans le mall, mais en France, moins. Voilà, et c'est super rigolo, c'est bien amené. On se fend la poire. Il y a des traites, parce qu'à partir du moment où il y a des compétitions, t'en as qui veulent vouloir gagner, qui vont saboter le coteau, te couper la corde ou machin bidule. C'est vraiment tentez-le. 3€ le tome pendant les 48 heures BD, sautez dessus, les gens. 3 balles, allez-y. Soso, est-ce que t'en as un ou... Oui. Ouais, d'accord. Moi je vais juste parler d'une autrice qui est chez Akata aussi, c'est Akane Torikai. J'aimerais juste que cette autrice soit un peu plus mise en avant parce qu'elle fait des mangas exceptionnels, extrêmement touchants, avec des sujets totalement actuels, dont par exemple En Proie au silence, qui parle d'une femme qui a été violée et justement le problème qui va en découdre. C'est assez lourd, il faut savoir que ces mangas se lisaient beaucoup en numérique par les femmes au Japon et faisaient grincer certaines dents aussi parce qu'elle dénonçait, elle n'en a rien à faire à Akane Torikai, elle met les pieds dans le plat, elle parle de cette société assez patriarcale aussi, le monde du travail pour les femmes qui est, c'est soit t'es carriériste, soit t'arrêtes parce que t'es mariée, donc il n'y a pas, c'est assez deux options. Il y en a un qui m'a énormément choqué parmi ces titres, c'est Amour placebo, justement, où on pense qu'elle est vraiment portée que sur la vie des femmes, et non, là, elle va prendre le sujet aussi d'un homme qui a passé la trentaine, on lui dit, bon, c'est quand que tu te maries et tout le tralala. Il n'a pas de copine, il en a eu peut-être quelques années avant, mais elle va finir par aller voir une prostituée. Et il va tomber amoureux d'elle. Et en fait, elle va lui... Comme dans Pretty Woman. Ouais, mais sauf là, c'est pas Pretty Woman. Le truc, c'est que... Le pire, c'est que ça va super loin. Parce qu'en fait, il croit dur comme fer qu'ils ont quelque chose parce qu'ils se voient en dehors. C'est juste horrible la fin du premier tome parce qu'il va découvrir toute la vérité derrière. Et justement, c'est amour placebo. Genre, il va s'accrocher à ça. Et tu vois aussi tout l'envers du décor de justement vendre de l'amour. Parce qu'on vend beaucoup d'amour au Japon avec les clubs d'hostes, les clubs d'hôtesses. C'est partout affiché dans les rues. Et justement, c'est cette espèce de misère. Au-delà de la misère sexuelle, c'est de la misère d'affection en fait qu'il y a. Et elle en parle beaucoup justement dans ses œuvres. Et ses dessins sont magnifiques. Et elle est extrêmement juste dans ce dont elle parle, dans les sujets traités. Ça va parler aussi d'une mangaka dans une autre œuvre qui a peur de la feuille blanche. Elle traite de plein de sujets, elle se dévoile, elle met vraiment aussi ce qu'elle ressent. Et il faut savoir qu'en plus, elle était mariée avec Inyo Asano, qui a fait Bonne Nuit Poun Poun. Alors j'imagine même pas le moment où ils étaient mariés ensemble, mais ils ont divorcé. Ça devait être incroyable les échanges entre les deux, parce qu'entre Bonne Nuit Poun Poun et Amour placebo, je suis en mode waouh, ça va être la joie à la maison. Ça devait être de Imitsu style pendant tous les soirs. Mais en tout cas, Akane Torikai, c'est disponible chez Akata, et c'est une mangaka exceptionnelle qu'il faut aller lire. Moi, je vais vous en dire un aussi. On parle souvent, quand on parle de manga basket, on parle souvent à juste titre de Slam Dunk, et bon, moi j'ai un petit amour aussi pour Kuroko's Basket, mais il y a un manga que j'ai découvert chez Mangetsu, c'est Deep Tree. Alors Deep Tree, pour ceux qui connaissent le basket, c'est quand tu shootes à 3 points
plus t'es loin, plus on dit que c'est deep, deep tree. En fait, on va suivre l'histoire de c'est Damian Kawhi qui, en fait, un basketteur préféré qui est Magic Johnson, donc pour certains le meilleur meneur de l'histoire de la NBA. Je le pense. C'est mon avis aussi, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Et donc lui, il veut devenir basketteur professionnel. Mais il y a un petit souci, c'est que plus il s'approche du panier, plus ses bras tremblent en fait, il a une pathologie. Et donc quand il est proche du panier, il ne peut pas shooter, il ne peut rien faire. Tout ce qu'il peut, c'est être loin du panier, d'où le deep three, vous me voyez venir, d'accord, et de shooter. Et en fait, on va le suivre, alors je suis au tome 5, donc je vais pas tout vous dire non plus, mais au fur et à mesure des choses, il va apprendre à jouer avec sa pathologie. Son but, c'est d'arriver en NBA, ils disent la NBO, mais c'est en NBA. Et puis, on se prend assez rapidement d'affection pour ce mec qui s'entraîne beaucoup, qui doit subir un peu la moquerie des autres et doit subir sa propre pathologie. C'est très shonen, au final, dans sa manière d'être, de sa manière d'écrire dans ce manga. Et pour ceux qui aiment le basket, je vous le conseille, il est vraiment cool. On passe un bon moment dans Deep Tree. Il n'y a pas que ça qu'il subit aussi. Il subit un racisme parce qu'il est à moitié japonais. Ouais. Et quand on pense à l'écho de Naomi Osaka, Naomi Osaka qui est pareil, métisse afro-japonaise, comment elle a pris cher. Il est japono quoi ? Japono-américain, mais afro-américain. Afro-américain, ouais. Ok. Et c'est hyper bien traité, avec justesse. Il n'y a pas de facilité dans ce... Il pourrait juste utiliser ça et en faire un sujet. Et non, c'est amené avec subtilité. C'est top. Ouais. Vraiment. Non, il est bien. Je vous le conseille. Conseil. Est-ce qu'on partirait pas en musique, sauf si vous avez un dernier truc à conseiller. Ah ouais, très vite, je peux pas me retenir. Allez, je vous en donne un tous les deux. Katsu de Mitsuru Adachi dans sa nouvelle édition. Est-ce que tu dis autre chose que chez Adachi ou pas? Je viens de parler de Deep Sweet je lis plein de trucs. Mais voilà, en ce moment, il y a Katsu qui en est à la moitié de sa republication. Il avait un bois avant. Et c'est incroyable. C'est une histoire qui est top. Je dis plus celui-là parce que les autres sont partiellement en rupture de stock, donc c'est un peu difficile de se procurer. Mais tu nous as pas fait l'histoire encore. Katsu. Alors Katsu, c'est l'histoire d'un jeune qui s'appelle Katsu et qui va tomber amoureux de la nana la plus jolie du bahut qui fait de la boxe. Et d'accord, il se dit, ok, qui est dans sa classe, comment je peux l'aborder? Eh ben, je vais m'inscrire dans le club de boxe géré par son père. Oh. Sauf que mauvais bail, oui. Ouais, double mauvais bail parce qu'en fait ses parents sont divorcés et qu'elle déteste son père. Mais le père se sert de ça parce que t'as tous les gamins du coin qui viennent parce qu'ils se disent ah, comme ça je vais pouvoir la voir à l'entraînement. Donc, et lui il se dit bon maintenant que j'ai payé je vais m'entraîner. Et en fait on apprend après que lui aussi est fils d'un boxeur, qu'ils ont plein de points communs. Mais il est fort ou pas? Il va progresser très vite et va y avoir même une passation parce qu'elle, elle est très très forte. Elle fait du shadowboxing depuis qu'elle sait marcher. Donc en fait, vraiment, elle, elle est super forte et il va y avoir un moment de passation, de limite physique du corps, du talent inné. Il y a toute l'histoire qu'on peut avoir quand on se dit ok, il faut que je suive le chemin des parents, l'héritage, le legacy, tout ça qui est traité super super bien. Il y a les émois, comment est-ce qu'on passe d'admiration à amour, voire de amour à admiration finalement, quand on comprend vraiment quand il commence à comprendre à quel point elle est douée en boxe. C'est top, c'est d'une sensibilité comme toujours avec Mitsuru Adachi. Bah, c'est pas pour point que c'est mon dieu quoi. Et vraiment foncez dessus, faites-vous du bien et là vous finissez bien dans le moral. C'est hyper bien. En fait, il construit des univers où on est au bout de 5 pages nostalgique. On se sent dans l'endroit, dans on connaît tout là-bas. Voilà. Donc d'accord, allez-y, foncez. Okay. Ça marche. Et on termine avec toi, ma chère Soso. Oui, c'est vrai qu'on parle souvent des animés sur Disney+, qui sont un petit peu passés à la trappe, parce que bon, Disney+ a encore pas mal de boulot. Parce qu'ils ont Tokyo Revengers, c'est que c'est pas très joli. Et Bleach. Oui, et voilà. Bleach est bien fait. Eh ben, il y a deux animés, mais j'en parlerai que d'un. Il y a Tengoku Daimaikyo, bien évidemment, ou Heavenly Devolution, mais il y en a un
que j'ai adoré qui s'appelle Time Shadows ou Summertime Rendering, qui est absolument incroyable. J'entends personne en parler, c'est bien dommage. Ça fait un petit flop de com. C'est l'histoire d'un garçon qui va revenir sur son île, donc c'est une île qui existe en plus au Japon, pour un enterrement. Et en fait, il se passe des trucs très bizarres sur son île. Et il va se rendre. Mais genre quoi, bizarre Attends, j'y viens. Ah, d'accord, pardon. Donc il revient sur l'île pour rentrer chez lui, mais surtout parce qu'il y a un enterrement. Et en fait, à l'enterrement, il se dit il y a des gens, ils sont un peu bizarres, tu vois. Genre, ça fait longtemps qu'il n'est pas rentré, mais il va retrouver son ami d'enfance, ou tralala. Et en fait, à la fin de la journée, il va mourir. Il va se faire assassiner sauvagement par un double qui va avoir apparaître. Un clone, un clone. Oh, et là, il se dit il y a un problème. Et il revient exactement au même moment quand il est dans le bateau pour arriver sur l'île. Et ça va être ça à chaque fois jusqu'à ce qu'il arrive à résoudre le mystère de l'île. Et en fait, il y a des ombres sur cette île qui prennent possession qui vont tuer, en fait, c'est l'ombre va devenir ton clone. Je me permets de te couper, c'est-à-dire qu'il meurt, il revient sur le bateau. Ouais, et il recommence la journée. Il recommence la journée, mais il refait pas la même journée, en fait. Il explore d'autres endroits. Il n'est pas pris dans une boucle, c'est pas ça. La première fois qu'il le refait, il est en mode, attends, il y a un problème. Il a dit, mais ok, elle va arriver à fond à vélo, elle va se. D'accord. Si je la loupe pas, elle arrive dans l'eau et il se rend compte qu'il va revenir à chaque. Sans fin, mais. Exactement. Sauf qu'en fait, il va devoir résoudre le problème qu'il y a sur cette île et il y a une espèce de malédiction au niveau des ombres. Et en fait, c'est son amie d'enfance qui est morte, noyée. Mmh. Et en fait, il va revoir une ombre d'elle. Il va se dire, mais elle en clone, mais elle est déjà morte normalement, tu vois. Donc en fait, c'est des ombres qui vont prendre possession de ton corps, qui vont te tuer, qui sont extrêmement violentes et qui veulent reprendre en fait toutes les personnes sur l'île et les tuer et reprendre leur place en fait. Okay. Et il va devoir résoudre ça. Et du coup, c'est un truc un peu. Donc tous les jours, il meurt. Ça doit faire mal de mourir. Des fois, il va même passer la nuit, il va passer plusieurs jours jusqu'à ce que ça, ça recommence. Et il recommence à zéro à chaque fois. Donc en fait, il va devoir... la pression est encore plus énorme à chaque fois qu'il revient. Parce qu'il se dit, ok, je sais ce qui se passe. Cette personne-là, en fait, c'est une ombre. Parce qu'en fait, ça se trouve, les personnes qui côtoient, ce sont des ombres qui sont dissimulées. Ouais. Et c'est ultra tendu, c'est très bien ficelé. L'animation, elle est incroyable. Et franchement, je vous conseille. C'est passé un peu à la trappe, malheureusement. C'est dispo sur Disney+. Plus, voilà. Pour une fois que tu dis du bien de Disney+. Lol. Ça fait deux Disney+, un peu chic aujourd'hui. Mais ils ont plein de trucs sur Disney+, mais ils ne font pas la com, comme Tengoku Daimaikyu, que je vous conseille totalement. C'est vrai, ça marche. On reprendra peut-être dans la saison. La saison est bientôt finie, mine de rien. On avance vite, on est presque en avril. Hein. Oh. Fini juillet ou je sais pas quand, mais ça avance vite là. Oui, ça avance vite. Oh, il y aura encore plein de choses. Bon, on a encore plein de choses à voir, bien sûr. Et d'ailleurs, dans les plein de choses à voir, une transition qui est extraordinaire. On va sortir un petit peu du manga papier pour s'intéresser un petit peu à la musique. Vite. Parce que notre cher Diff. C'est peut-être l'heure des poneglyphes. Rappelle-nous ce que ta chronique, vas-y. Voilà, le poneglyphe de Diff, c'est le bridge entre tout ce qui est animé, manga et la musique, c'est-à-dire les samples, les paroles, les punchlines, les références à tout ce qui est personnages et récits de manga, tu vois. Ouais. Et en fait, dans l'univers rap, on en retrouve dans tous les sens. Mmh. Énormément évoqué de personnages. Ouais, et énormément de samples d'animés qui sont repris dans tous les morceaux. Ouais. Et donc aujourd'hui, on va être plus international. Ok. Comme sur du rap américain. Ça va être très chamallow, on va dire. Ok, chamallow. Ça veut dire un top 3 très musique, tu vois, à l'ancienne, les musiques d'ascenseur. Tu vois, les musiques d'attente d'appel téléphonique, tu vois. Très musique. Les films érotiques. Attends, je savais que t'allais dire ça. Allez. Dimanche soir de la 6. Donc très. Ça n'existe plus, c'est pour les 1900. Ouais, très Emmanuel. 50. Tu vois, cette vague d'animés des années 70-80, genre Cobra, Lupin, Capitaine Flamme. Bien sûr. Tu vois, et donc c'est super samplé, ça, dans le rap américain, par. Okay. Les producteurs comme Alchemist, tu vois, toute l'équipe Griselda, tu vois, ils adorent ces bails, tu vois. Donc on va commencer par un sample de Capitaine Flamme. La croisière s'amuse. Tu vois, ça fait très la croisière s'amuse. Tu vois. Love Boat. Et donc, notre rappeur Barbie préféré, Styley, qui a repris le bail. Black Chevelle on them blades, boy. Dark shades, leather jacket, like I'm Blade, boy.
Chopping through my city like, what's the focus, boy? I come through with open doors. Six by nine, soon these door panels make a... J'aime bien quand tu tapes dans le maraf américain. Ah ouais, là, t'as vu, il a kické ça. C'est pas forcément mon rappeur barbu préféré. Ah ouais, toi, je suis très freeway. Ouais, t'es très freeway. Ouais. Et puis il y a Rosé aussi, tu vois. Ouais, mais je suis très freeway. T'es très freeway. Philadelphie, c'est important aussi. Ouais, je comprends. Et en voilà un autre. Tu vois, ça fait très... Là, c'est totalement M6 du dimanche, là. Voilà, ouais, ou bien t'appelles la matmute, tu vois. Mais ça, c'est Cobra, du coup. Ouais, ça, c'est Cobra. Non, ça, c'est Lupin. Ah, c'est Lupin. Ouais, oh, ça, c'est pas de Lupin. Tu vois, ça fait très Cobra. Il oh, ça fait très Cobra, tous, ouais. Tu vois. Là, tu la matmute. Mais la matmute, t'es en elle attente, assure, oui, pour la mutuelle. Il faut, toi, un bail pour tes dents, tout ça. C'est l'histoire vraie, quand même. Et en vrai, c'est... Action Bronson. Aussi barbu. Oui. Hoes after the show diver. You know I'm talking about vagina. Wow, 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 ouais. J'ai entendu un mot. On est sur M6 du dimanche. Oui. Ouais, là c'était Action Bronson. Ça, c'est des morceaux qui datent de 2013, 2012. Mais c'est quand même d'actu. Et puis j'aime bien. Ça change du sample, tu vois, comment ils l'ont repris et que ça kick dessus. Ouais. J'adore ça. J'aime bien ça aussi. Ouais, ouais, c'est très excitant. Ouais, c'est vagina, vrai. Ouais. Ouais, vagina, exactement. Voilà. Et la petite dernière, elle est très. Comment dire. Très romantique, on va dire. Ok. Ça va être Capitaine Flamme encore. Ok. Oh. Oh. Tu vois, ah, c'est ça, là. C'est genre de. Oh là là. Tranquille, il y a les bougies, il y a. L'huile de jojoba. Ah, là, c'est romantrique. Ouais. Oh, bien. Ouais. Merci, Basile. Ça fait partie de la musique. Basile. Ouais, voilà. Vous sentez la douceur, tout ça. Cutman. Et là, c'est Joe Budden qui envoie un bail romantique. Vas-y, envoie, mon gars. Your body's a work of art. There's a beauty in every ugly. So for me, it's a friend. No, our paths are so horrible. Together, we won't ever have to see him again. I love you. Un peu du R&B, j'avais 15 minutes pour toi. Oh my god! C'est Lloyd? Non, c'est pas Lloyd. Ça, c'est pour les danses à l'horizontale, hein. Je suis désolé, mais ça. C'est un random comme ça qui avait kické, mais. Il est en Lloyd un peu, vocalement. Il est en Lloyd un peu. Ouais. Donc voilà, c'était ça pour les Poneglyphes, un petit top 3 des samples très à l'ancienne des années 80, des animes 70-80. Ouais. Il n'y avait pas de Cobra. J'en ai cherché, j'en ai traqué. En Cobra, il n'y a que vraiment les morceaux secret connexion, très deep, très gangsta, tu vois. Et là, je voulais juste les morceaux soft, un peu croisir s'amuse, matmut, tous les bon, on s'est amusé en s'assurant. Okay, et ça, c'est important. Ça roule. Merci beaucoup, mon cher Diff. Ça roule. Merci, Soso. Merci à Valentin. Merci, Maël, Basile. Merci à Face, à Juliette, à Chaïd. Et évidemment, merci à vous qui nous écoutez sur Move et qui nous regardez sur Twitch. Et évidemment, on se retrouve mercredi prochain, 19h, pour un prochain Yata. Ciao. Bye bye. Yeah. Yata.